Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette avant-dernière émission plateau en collaboration avec Glénat. Et oui, on se retrouve chaque semaine depuis maintenant 4 semaines pour parler bande dessinée le mercredi à 14h. Non, il est 15h, donc ce n'est pas 14h, voilà. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission afin de parler de parcours de femmes en bande dessinée. Et je suis super bien entourée pour cette occasion. Je vais présenter la tablée dans un instant, mais avant, sachez que ce programme de live est en lien avec le mois du roman graphique avec Glénat, et sachez que, comme pour toutes les autres missions, avec le hashtag roman graphique dans le chat, vous pouvez gagner, le tirage au sort se fera à la fin du live, un tote bag que voici. Cette fois-ci, je n'ai personne à qui l'offrir. D'habitude, j'ai toujours une invitée streameuse ou voilà, si quelqu'un le veut, on fera une petite distribution à la fin. Magnifique tote bag, peau d'homme, bien évidemment. Puis, Radium Girls, Nelly Bly et Jo la Pirate sont à gagner. Elles seront sûrement dédicacées à la fin de l'émission. Voilà, il y a ça à gagner dans mon chat ainsi que sur le chat de la chaîne de Glénat. Donc n'hésitez pas à participer au tirage au sort avec le hashtag roman graphique. On fera des rappels pendant l'émission. Et cette fois-ci, je suis hyper contente de faire cette émission. J'avais très hâte parce qu'on l'a beaucoup préparée, honnêtement, pour parler de parcours de femmes en bande dessinée. Et à ma table, je suis absolument ravie de recevoir Virginie Olanier, qui est la scénariste autrice donc, de Nelly Bly, ainsi que Carole Morel, qui est la dessinatrice autrice de Nelly Bly, du coup. Voilà, donc bienvenue. Vous êtes contente d'être là. C'est la première émission Twitch. C'est même, je vais passer pour une vieille. Non. La première émission sur Twitch. Non, ta daronne sur Twitch. Twitch. Pas toute seule. Mais c'était le cas de quasiment tout le monde. C'est vraiment le cas d'absolument tout le monde. Juste parfois, il y avait des petits invités streamers, streameuses, etc. pour nous accompagner. Mais franchement, c'est le cas de tout le monde. Et puis, tout le monde est super gentil, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va pouvoir parler de votre bande dessinée. J'ai super hâte. J'ai aussi donc Virginie Augustin. Donc, il y a deux Virginie, mais on va s'en sortir. Ouais. Bon courage. Les meilleurs. Exactement. T'en connais d'autres, toi? Ah, si. Bah, on a dit que non. Virginie Augustin, Virginie. Du coup, qui est dessinatrice de Jo la Pirate. Oui. Et puis du coup que j'ai adoré, qu'on m'a offert il y a de ça un peu plus d'un an et que j'avais pas lu parce que j'ai une bibliothèque énorme de trucs à lire, c'est fou et je l'ai vraiment dévoré pour le coup, donc c'était très chouette. Ça vous ennuissait un petit peu. Oui. Et puis à ma droite, peut-être que vous la connaissez déjà, puisqu'elle est aussi streameuse sur Twitch, évidemment. Si, je suis trop ravie de t'avoir à ma table. On avait déjà fait une interview ensemble pour parler de Anna et l'Entremonde que tu avais avec Marc Dubuisson. Exact. Et cette fois-ci, on te reçoit pour parler de Radium Girls. Voilà. Toi aussi, t'es streameuse. Ah oui. C'était ta première émission plateau sur Twitch? Non, c'est déjà, j'en ai déjà faite. Ah ouais? T'as fait quoi? Pour Glénat, il y avait déjà eu aussi une émission. Ah, avec Bulldop, non? Ouais, et puis il y avait le festival Glénat Live aussi. Oui. Avec, c'était Ken Bogart. C'était l'année dernière, Ken Bogart qui présentait, ouais. Yes, mais ça va. Ouais. Trop bien. Je suis à la maison. Mais oui. Mais il y a tellement de gens qui te connaissent et tout. Toi, si tu fais quelques planches en live en ce moment de Anna et l'Entremonde, le tome 2, justement. Exactement. C'est trop bien, en vrai. Moi, j'adore les lives créatifs. J'adore ça. Je me pose devant en lurk. Je parle pas, mais j'écoute. Ça fait toujours plaisir. Donc, je suis absolument ravie de vous recevoir. Peut-être que... on va parler donc de parcours de femmes en bande dessinée. Je me suis dit que peut-être que vous pourriez chacune pitcher votre BD respective. Virginie, si tu pouvais pitcher Jo la Pirate. Non, je ne vais pas pouvoir pitcher puisque je ne suis pas scénariste. Mon scénariste n'est plus disponible. Jo la Pirate, de ce qu'il m'en avait dit, effectivement, c'est comment une femme se retrouve être un playboy dans les années 20 jusqu'à la fin de sa vie dans les années 90, je crois. Et comment cette femme a réussi à vivre tout ce qu'elle voulait faire, de la façon dont elle le voulait, et vraiment en toute liberté. Ouais, exactement. Ça va comme ça. Oui, c'est très bien pitché, bravo. Donc, Jo la Pirate, bien sûr, et c'est en fait la vie de Marion Barbara Carter, ce qui s'est pas appelé. Donc, Jo la Pirate, on va en parler. J'en ai déjà parlé en live aussi, si vous me suivez sur ma chaîne. Si vous pouvez pitcher Nelly Bly. Oui, je me colle. C'est toujours comme ça, la main est toujours donnée, c'est-à-dire débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est ton truc.
Mais c'est leur taf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut bien aussi qu'on ait quelques emmerdes avec ce truc-là. Donc voilà, donc le pitch de Nelly Bly. C'est une femme qui a 23 ans, qui se fait interner en hôpital psychiatrique pour dénoncer les conditions d'internement des femmes. Voilà. C'est vraiment les prémices du journalisme d'investigation. Oui, on est en 1887 à New York, sur l'île de Blackwell, qui est maintenant Roosevelt Island. Et il y a des pieuvres. et la folie est à l'extérieur du corps, et c'est très, très, très beau. Oui, 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 c'est très beau, en effet. Si tu pouvais pitcher Radio Girls. Bien sûr. Alors, ça parle de femmes dans les années 20 aux États-Unis qui peignaient des cadrans de montres avec une peinture bien particulière à base de radium, scoop le radium. Pas ouf. Pas terrible. Pas ouf, vraiment. Et au-delà de toutes les évolutions qu'il y a eu, le radium a amené énormément d'évolutions scientifiques, etc., notamment dans la médecine. Mais en fait, il y avait un petit malin qui a découvert que le radium était phosphorescent à la lumière, phosphorescent dans le noir sans besoin d'être chargé à la lumière, et en a fait une peinture. Et c'est comme ça que ces femmes ont peint des cadrans de montre pour pouvoir lire l'heure dans le noir. Ouais. Et sauf que scoop, le radium c'est pas ouf, et c'était des femmes dans ces années-là, donc on s'en foutait, c'était des ouvrières, on s'en foutait encore plus. Et donc c'est la lutte de ces femmes pour dire que je suis victime et qu'il y a un problème. Et elles étaient condamnées dans tous les cas, elles avaient ce pouvoir, elles essayaient en tout cas de prendre ce pouvoir de oui, de oui, protester. Bah en fait c'est le pouvoir du désespoir, tout simplement. Exactement. Et j'ai oublié aussi en début de live, pardonnez-moi, de vous parler du catalogue des romans graphiques qui est disponible dans les librairies participantes avec Glénat. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir ce qui se propose chez Glénat en termes de romans graphiques. Et je voudrais aussi faire un point sur la collection Karma, parce que quasiment toutes les bandes dessinées, pas de Joe la Pirate, mais font partie de la collection Karma, qui est une collection chez Glénat, une collection de romans graphiques dirigée par Aurélien Ducoudray, qui met en lumière des personnes qui, de base, étaient anonymes, parfois oubliées par l'histoire, et qui font des actes marquants, contestataires, qui peuvent faire changer la société d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc avec notamment Radium Girls et Nelly Bly qui en font partie. Mmh. C'est un petit peu le point commun de toutes les émissions. Ça me permet de faire le lien. On va parler de romans graphiques. C'est controversé comme terme à chaque fois, à chaque début d'émission, il y a un petit débat. Vous en pensez quoi du terme roman graphique? Si, t'en penses quoi? C'est une case marketing. Ah, voilà. J'ai l'impression que d'émission en émission, on va de plus en plus directement. Non, mais en fait, on a besoin... c'est un besoin qui était à la base, je pense, commercial. Il fallait une case supplémentaire pour pouvoir augmenter les paginations, faire des one-shots, des choses comme ça. Et en fait, rendre... Alors, à la base, c'était une case marketing. C'est devenu après de la BD élitiste. Mais ça, c'est ce qu'on en a fait. Le terme roman. C'est le terme roman, ouais, qui a élitisé un peu le truc. Donc ouais. Moi, je dis que je fais de la bande dessinée. Voilà. C'est un retour que beaucoup de libraires me font, quoi. Quand on évoque la différence entre BD et roman graphique. Roman graphique, ça reste de la BD, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu épaisse, certes. Il y a peut-être des critères, voilà, la pagination. Oui, ça a quand même un impact sur la créativité. Vous pouvez faire davantage de oui, pages. Oui, on aborde les récits pas forcément de la même manière, c'est sûr, en 180 pages qu'en 60, quoi. Oui. Ouais, on est bien d'accord qu'à la base, c'est la traduction de graphic novel. C'est ça. Par opposition au comics. C'est ça. Ah ouais. Qui est effectivement la bande dessinée américaine commerciale, le graphic novel qui permettait d'amener des choses tout à fait différentes et en dehors du commerce américain de base de la bande dessinée. Bon, ce qu'on en conclut, ça fait quand même, c'est la quatrième émission, ce qu'on en a conclu au final avec les autres auteurs, c'est que même si c'est un terme marketing, ça reste quand même une espèce de porte d'entrée. Pour certaines personnes qui peuvent se dire, bon, voilà, la BD, c'est peut-être plus de mon âge, ou je ne sais quelle raison, et puis au final se dire, bon, peut-être. Ouais, une porte d'entrée. On l'a un peu catégorisé comme ça. Oui. Après, on va pas. Je vais pas monter sur, je sais pas pour vous, mais je vais pas monter sur mes grands chevaux si on me met dans une catégorie romographique. C'est juste faire attention au sous-texte qu'il y a derrière. Oh, oui, clairement. Donc cette émission, elle va être divisée en deux grosses parties. On va d'abord parler de comment on raconte un parcours de femme en bande dessinée, comment on raconte un parcours tout court en fait de quelqu'un en bande dessinée. Et aussi, on va parler en seconde partie de votre processus créatif. Puis après, il y aura quelques petites recommandations BD, etc.
D'ailleurs, sachez que la dernière émission aura lieu le 17, donc c'est la semaine prochaine, et on va parler de Dissident Club. Et il y aura Angle Droit, que vous connaissez peut-être, qui est une copine streameuse, qui sera ravie de parler bande dessinée aussi avec nous à cette table. Il y a quand même des points communs entre vos trois bandes dessinées. Dans vos bandes dessinées respectives, que ce soit donc Radium Girls, Nelly Bly ou Joe la Pirate, vous mettez en lumière des histoires de femmes qui sont en général invisibilisées dans l'histoire ou dont on a assez peu parlé. Comment est-ce que vous avez choisi vos sujets respectifs? Est-ce que déjà vous connaissiez, par exemple, toi Virginie, est-ce que tu connaissais Nelly Bly? Carole, tu connaissais Nelly Bly? Oui, moi je connaissais Nelly Bly pour avoir poussé la porte d'une librairie quand ma fille devait avoir 12, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement. Et que j'avais envie de lui acheter des femmes exemplaires. Voilà. Je suis rentrée dans la librairie et j'ai dit à la libraire, je pense que c'était Alexandra David-Nel parce que c'était celle à laquelle je pensais d'une génération qui l'avait lue. Et là, la libraire m'a regardée, elle m'a dit, ouais, d'accord, mais peut-être que pour ta fille, ça serait bien de commencer par Nelly Bly. Voilà, et elle est rentrée comme ça dans ma vie, pour moi avec les 100 jours dans un asile, mais pour ma fille à cet âge-là, c'était le tour du monde de Nelly Bly. Mmh. Parce que c'est funky, parce que c'est une course absolument incroyable. Oui, parce que c'est pas la première femme à avoir fait le tour du monde. Alors non seulement c'est la première femme, mais c'est surtout celle qui l'a fait en 76 jours, c'est-à-dire moins longtemps, elle a mis moins de temps en fait, que Phileas Fogg. Et en partant faire son tour du monde, Nelly s'est arrêtée à Amiens, chez Jules Verne, et ils ont dîné ensemble, et elle lui a dit, je vais battre Phileas Fogg. Donc, ouais, cool. C'est ça. Et elle a répondu, c'est quand elle est arrivée à New York, ouais, absolument. Donc, voilà, et je me suis dit, ok, il existe des femmes un peu plus funky que celles que moi j'ai lues. Et donc, commençons à lancer ma fille dans les traces de Nelly Bly, et donc, évidemment, j'ai lu Nelly Bly. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée d'en faire une bande dessinée? Disons que c'est à ce moment-là, c'est Aurélien, quand il a commencé à parler des éditions Karma, de la collection Karma, qui m'a appelé. Il a pris contact avec moi et il m'a dit, tu connais Nelly Bly? Je dis oui. Tu as lu 10 jours dans un asile? Je dis oui. Il m'a dit, ok, c'est bon, ça, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Est-ce que tu connais Carole Morel? Je dis, pas personnellement, de nom, oui, je connais son travail. Et il me dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que vous bossiez ensemble là-dessus. Et donc, on s'est rencontrés et on a discuté, et puis voilà. Toi, Carole, tu connaissais Nelly Bly? Absolument pas. Quand l'éditeur, Olivier Jalabert, à l'époque, m'en a parlé, je suis allée voir, du coup, comme tout le monde le fait, page Wikipédia et biographie, tout ça. Et puis, je me suis rappelée avoir lu, effectivement, dans les culottés, parce qu'elle apparaît dedans, le résumé de sa vie. Je me suis dit, effectivement, ouais, ça m'avait bien marqué. Et j'ai vu que c'était une personnalité incroyable, quoi. Mmh. Et les 10 jours dans un asile m'ont marqué, du coup, quoi. Je me suis dit, j'espère que si jamais, il me propose d'aborder le biopic, on ira plutôt plus par là-bas. 10 jours dans un asile sur le tour du monde. Il y a eu un film qui a été fait aussi sur Nelly Bly, il me semble, avec Christina Ricci. Bien sûr, mais il y a eu beaucoup de documents, de bandes dessinées, de films qui ont été faits d'après la vie de Nelly Bly ou d'après ses écrits, puisqu'elle est journaliste. Et là, ce qu'on a fait, c'est travailler ses articles de journaux. Elle a publié une grande partie de sa vie, et quand elle a commencé à devenir vieille, c'est au moins vers 50 ans, elle a... elle s'est dit, elle avait du mal à travailler en tant que journaliste, et donc elle a rassemblé ses articles de journaux qu'elle a publiés sous forme de livret, en fait. Mm. Et c'est ce qui a été traduit ensuite en français et un peu partout dans le monde. Voilà. Mais ces articles, tout seuls, en fait, sont disponibles. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traduites, en particulier, je suis désolée, je fais une petite parenthèse, parce que c'est difficile à placer là-dedans, parce que vraiment, c'est... Voilà, mais elle a travaillé, elle a écrit, elle a dénoncé des lobbyistes, des grandes entreprises pharmaceutiques. C'est une jeune femme. Lanceuse d'alerte. Ouais. Bien sûr, elle a fait des choses absolument formidables. Voilà. Et en plus, il me semblait, parce qu'à la fin de Nelly Bly, il y a une petite partie interview que j'ai lue. Alors, je ne sais plus qui de vous deux disait ça, mais que...
Ça y est, ça m'est sorti. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je disais déjà ? Non, mais ça va. Ça, on parlait des articles de journaux. Oui, que je disais que en fait, ce qu'elle a écrit, Nelly Bly, donc par rapport à ses 10 jours dans un asile, que en fait, c'était pas du tout austère et comme récit, qu'en fait, oui. C'était vraiment une histoire qui donnait envie d'être lue. C'est un truc qui m'a marqué moi pour le coup, parce que. Bon, je me suis dit, il faut que je les lise quand même, voilà, les récits d'origine. Et puis, j'avais un peu peur, quoi. J'y suis allée avec des préjugés, en me disant, bon, récit journalistique, 19e siècle, je vais être un peu à distance. Et en fait, pas du tout. Ouais. Elle a une écriture extrêmement moderne, qui fait qu'on est projeté dans le récit avec elle, quoi. Donc, je ne sais pas si c'était un effet de style à l'époque qui était recherché pour les parutions dans les journaux, pour rendre, parce que c'était épisodique, je crois, ça paraissait de manière épisodique, donc il y avait peut-être quelque chose de recherché à ce niveau-là. Mais du coup, je me suis dit, waouh, c'est hyper moderne, en fait, quoi. C'est un récit d'aventure, en fait, quoi. Ouais, ça donne envie, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, moi, je pensais aussi que ça allait être très austère. Mais pas du tout. Non, on a une caméra embarquée avec elle, en fait. Et puis, elle est jeune, c'est-à-dire que quand elle écrit ça, elle a 23 ans. Ce qui veut dire que... Non, ce que je l'ai dit il y a 50 ans. C'est ça. C'est normal. Bon. Non, mais 23 ans. Oui, tu te souviens pas de tout ce que tu faisais. Ou t'étais à 23 ans. Oui, quoi. Bah, jamais dans un hôpital psychiatrique. Bah, non. En train de faire du journalisme d'investigation. Oui, et c'est ça qui est assez, assez dingue. Elle a un regard qui est d'une très grande naïveté quand elle débarque. Alors, pas si naïve que ça, parce qu'elle est assez futée pour faire en sorte... de se faire secourir au bout de 10 jours. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vienne la chercher, la sortir de là au bout de 10 jours, parce qu'elle peut envisager d'y rester toute sa vie. Donc, mais elle a aussi cette grande fraîcheur de dire, en fait, mais elle n'est pas folle, cette femme. Elle est enfermée, mais elle n'est pas folle. Et puis celle-là, elle est enfermée, mais elle n'est pas folle non plus. Donc, il y a tout ce niveau de découverte avec lequel on avance nous-mêmes. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est hyper moderne, que c'est super frais, que c'est alors qu'elle parle quand même de choses qui sont au-delà une grande aussi violence. Cette femme n'a pas de maladie, etc. Il y a aussi juste les mauvais traitements en fait au sens large, même quand elle est vraiment malade. Hein, pour le bien sûr. Virginie, pour Jo Lapierre, est-ce que toi tu la connaissais? Non, pas du tout. Comment ça s'est passé du coup? En fait, c'est tout à fait annexe. À l'époque, avec Hubert, on avait envie, après l'album précédent qui est ici, qui s'appelle Monsieur Désir, de retravailler ensemble. Et il me dit, t'as envie de travailler sur quoi? Je dis, ben, fondamentalement, j'aimerais bien travailler sur une mouine. Voilà, j'aimerais bien reprendre un personnage lesbien, fictif ou pas. Enfin voilà, est-ce que t'as une idée? Il me dit, non, pas du tout. Donc il me propose un tout autre scénario. Et... Me présente ce scénario, je fais quelques remarques. Naturellement, Hubert me dit, bon, bah, laisse tomber, c'est pas pour tout de suite. Et il me dit, par contre, si ça t'intéresse, je suis tombée sur une nana, je sais pas si tu connais, qui s'appelle donc Marion Barbara Carstairs, et qui pourrait être assez intéressante, ça me donne envie d'écrire. Et lui non plus ne connaissait pas, en fait, c'est en traînant sur Internet, il a vu une première fois son nom apparaître, une deuxième fois, il s'est dit, c'est bizarre quand même, présenté comme une butch ultime, comme une lesbienne forme fabuleuse, extraordinaire du 20e siècle, même pas du 19e, puisqu'il est né en 1901. Et du coup, il a été chercher. Et en cherchant, mais il a trouvé. Il a trouvé, en fait, déjà une biographie de Kate Beckinsale, si je me souviens bien, qui s'appelle The Queen of Welkay. Et donc, il racontait cette histoire, puis il est tombé sur plein de photos, il est tombé sur plein de récits, sur plein des articles, développant en fait les capacités de cette femme à être donc d'abord s'engager à 17 ans dans l'armée, pas dans le, enfin de en tant qu'infirmière en fait sur le front alors qu'elle est américaine, d'aller transporter des blessés sur le front français. C'est assez étonnant. Alors, 23 ans, c'est pas mal, mais 17 ans, c'est carrément mieux. Je suis arrivée avec Radio Bleu, on n'avait pas encore 12 ans. Hein. Non, les femmes, elles sont toujours plus tôt. Il y a une compétition. Ah, si, finalement, si, parce qu'en fait, justement, Jo aussi est une reine de la compétition, puisque c'est ça qui l'a motivée toute sa vie. Puisque donc après la guerre se terminant, il faut bien trouver autre chose à faire, et donc elle se découvre une passion pour les bateaux. Pour les bateaux, et en particulier les hors-bord. Elle devient championne de hors-bord. Allant titiller les plus grands sportifs masculins, bien sûr, et devant une véritable championne de hors-bord. Et puis quand ça commence à devenir un petit peu pesant, quand elle commence d'ailleurs par avoir des petits problèmes de fisc, elle décide de se barrer et d'aller s'installer sur une île dont elle devient maîtresse.
totalement. Ouais. Elle organise à sa guise. Justement, on va parler un petit peu de cette île aussi plus tard dans l'émission. Donc, toi, tu la connaissais pas. Non. Et puis, en fait, quand toi et Hubert vous êtes penchés sur ce sujet, tu t'es dit, ah, ça pourrait être chouette. Ah, bah, moi, il avait tapé dans le mille, oui. C'est exactement ce que j'attendais. Ouais. Mmh. Toi aussi, est-ce que tu connaissais du coup les Radium Girls, leur histoire? Non, comme toujours, hein, je suis tombée dessus parce que je scrollais bêtement sur Twitter et puis j'ai vu Radium Girls, j'ai cru que c'était un groupe de la Motown, enfin j'ai cru que c'était un groupe de femmes, en fait un girls band de ces années-là. Mais Radium Girls, c'est hyper catchy. Oui. Enfin, on dirait, hein, voilà, de ces années-là, quand on avait un peu l'engouement. Voilà, et en fait, il n'y avait pas beaucoup de groove quand j'ai commencé à lire l'article. En fait. Mais très vite, je suis passée du la mort du fun à l'énervement et à la colère. Et moi, la colère est un très bon moteur. Ouais. Genre, ça me va jusqu'à faire une bande dessinée de 120 planches. Plus je suis énervée, et je suis toujours énervée. Mais ça a du bon. Et c'est vrai que quand je suis tombée dessus, j'ai fait mais c'est dingue, on n'a jamais entendu parler, c'est fou. Puis bah, j'ai commencé à chercher, mais à la base, moi, j'avais pas du tout pour projet de faire une bande dessinée, en fait. J'ai commencé à chercher juste parce que j'étais énervée. Et que t'étais curieuse d'en savoir plus. Bah, d'en savoir plus, et puis après, bon, très vite, quand même, tu te retrouves à être sur ce qui était traduit en français, en vase clos. Ça veut dire que tu sens l'article qui a pompé de premier article, tu sais, puis quand tu remontes à l'article, la genèse. Ouais, le source, en le fait. Le source, ouais, et ça. Après, tu remontes aux sources anglais, et ainsi de suite. Donc, et puis en plus, en même temps, ça te permet, bon, peut-être qu'on en parlera de ça, mais d'écarter le vrai du faux au fur et à mesure en disant oh là, et tout. Mais ouais, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça dingue, en fait. Tu trouvais que c'était important de raconter l'histoire de ces femmes Bah ouais, parce qu'en fait, ça, je pense que c'est le cas pour toutes, mais ça cristallise énormément de problèmes qu'on a encore maintenant. Ça veut dire qu'une lutte ouvrière de femmes, de lutte de classe, où au cœur de la prohibition, où on remet en cause les mœurs. Bon, il y a peut-être 100 ans qui nous séparent, mais il y a encore, faut pas oublier d'où on vient. Au final, chronologiquement parlant, Jo la Pirate et Radium Girl, ça se passe en même temps. Sensiblement la même période. Et Nelly Bly, c'est un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Donc on a affaire à des femmes fortes qui ont eu des vies incroyables, qui ont influencé la société d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut dire que c'était symbole d'émancipation, peu importe leur genre, par exemple, Virginie? Je pense pas. En ce qui me concerne, Jo, non. Parce qu'en fait, elle n'avait rien à foutre. Mais voilà, c'est... Oui, mais justement, c'est pour ça que je pose cette question. Je savais je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir comme ça, mais je pense que le personnage en lui-même, la personne en elle-même, non, c'était pas du tout quelque chose. C'était en gros, si vous avez envie de le faire, faites-le, puisque moi, j'étais capable de le faire, ce qui est généralement un très, très mauvais moteur pour beaucoup de choses. C'est en gros, je suis milliardaire, j'ai réussi à me libérer, vous n'avez qu'à le faire vous-même. En fait. Oui, elle était milliardaire, elle est vraiment née avec une cuillère en argent, et c'était une héritière du pétrole américain, donc... Après, non, c'est pas quelqu'un qui se mettait, je pense, du tout en modèle, au contraire. Ouais. Elle avait bien conscience d'avoir une vie très, très dissolue et très, très à part. C'est pas... Mais quand on la regarde aujourd'hui, bien évidemment, on voit quelque chose, une personne qui s'est émancipée. Avec le recul. Qui a forcé sa liberté, qui a tenu ce cap-là, et je trouve plutôt inspirant. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce rapport d'argent, par exemple, Nelly Bly, elle n'a jamais... Elle ne s'est jamais proposée comme suffragette, elle n'a jamais participé à tout ça parce qu'elle n'avait pas l'argent, justement. Et qu'il fallait qu'elle bosse. La pauvre. Il fallait qu'elle bosse. On lui a coupé un peu les de toute façon, oui. Le décès de son père. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il a fallu qu'elle bosse. Et quand on disait, mais viens manifester, elle disait, mais. J'ai pas le temps. Moi, je travaille, j'ai en plus, elle s'occupe de sa nièce. C'est ça, c'est ça. Donc. Voilà, je pense qu'elle aurait peut-être souhaité, elle, puisque c'était vraiment un mouvement important à ce moment-là, avec Bella qui se propose comme, enfin, qui demande à être élue présidente des États-Unis, parce qu'autant les femmes n'ont pas le droit de voter, mais elles ont le droit de se présenter. Donc il y avait tout un mouvement comme ça auquel elle aurait peut-être voulu participer, mais elle n'avait pas les sous, justement. Mais donc, moi, c'est globalement hyper connexe à Radium Girls, qui était en fait... ces femmes-là, elles n'avaient pas la thune, rien du tout. Et en fait, tout ce qu'elles voulaient, c'était survivre. En fait, elles ont le rôle modèle, c'était juste, en fait, vu qu'on disait qu'elles mouraient de la syphilis, tout ce qu'elles voulaient, c'était genre, mais non, j'ai pas la syphilis, parce que la syphilis veut dire
que tu as une petite vertu ouais. et que pire que la mort, la honte. Enfin, donc ouais, on salit ton nom jusqu'au bout, on salit ta famille et tout. Et elles n'avaient pas, voilà, elles avaient pas du tout ce truc de rôle modèle ni rien. Et puis il y a aussi un truc, c'est que l'erreur ce serait de dire que toutes ces femmes de Radium Girls étaient féministes. Il y en a certaines qui étaient en mode genre le droit de vote, pourquoi faire ? Mmh. Ah oui. Faut faire attention à la réécriture parfois bien aussi. Sûr. Et il y en a certaines, oui, qui devaient être en mode genre. Mais en fait, par exemple, il y en a une dedans qui est un peu la voix. C'est marrant parce qu'en dédicace, on me dit ouais, moi je l'aime pas. Mais en fait, c'était la voix majoritaire de ces femmes qui disaient on a déjà le droit de travailler. Hein, donc c'est bon. Déjà pas on est déjà mieux lotis que nos mères. Bah oui, mais bon, on a juste rallongé ta laisse de 100 mètres, donc t'es toujours attachée. On va pas se contenter de ça non plus. C'est ça. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il y a un personnage comme ça qui dit « Ah non, quand même, on va pas boire, c'est illégal. Ouais, » c'est ça. Et qui est tout le temps en train de les rappeler à l'ordre, qui s'allie aussi. C'est la voix de la société qui parle à travers elle. Oui, c'est vraiment ça. Après, tiens, pour revenir sur Millie Black, on parlait de l'émancipation, tu vois. Elle dit peut-être que vis-à-vis d'elle-même, non, pas forcément parce qu'elle était dans la nécessité, mais vis-à-vis des autres, par contre, ouais. Bien sûr. Besoin de d'aider les autres en fait justement à s'émanciper de quelque chose voilà consciemment elle donnait des conseils et disait genre consciemment non je sais pas non c'est compliqué elle s'est jamais positionnée il y a pas d'écrit dessus elle dit que on est venu la chercher pour participer à ces manifestations et qu'elle avait pas l'argent c'est-à-dire qu'elle devait absolument travailler pour pouvoir vivre et donc faire vivre sa famille, et évidemment pas, en fait, prendre ce temps sur son travail. Après, elle, ce qui la met en place, quand même, hein, dans le rôle futur de journaliste, ce sont des femmes. C'est-à-dire qu'elle s'est plus appuyée sur des femmes qui avaient déjà fait ce mouvement-là, peut-être que l'inverse. Et en même temps, à présent, il y a un prix Nelly Bly pour les journalistes aux États-Unis. Bon, c'est relativement récent. Parce qu'elle avait disparu, elle est revenue, comme souvent ces femmes-là, en fait. Mais moi, je n'ai pas trouvé dans les textes que j'ai lus, effectivement, toutes les recherches en anglais qu'on est obligé de faire. Voilà, je n'ai pas trouvé ce qui d'implication plus que ça. Par contre, il est évident qu'elle a protégé sa mère, sa sœur, sa fille, sa nièce, et que quand elle a trouvé un mari très riche, elle l'a épousé. Mais c'est vrai que quand je repense à Radium Girls aussi, à un moment donné où elles sont à la plage en maillot de bain, il y a quelqu'un qui vient mesurer en mode « c'est trop court ce maillot de bain, madame ». Elles subissent quoi, elles sont pas… Ça existait vraiment, c'est vraiment elles subissent, puis c'était le cœur de la prohibition, la police des mœurs, etc. C'était vraiment… Puis en plus, c'était même pas un corps policier, hein. Limite un police des mœurs cléricales, tu vois. Enfin, vraiment, c'était… assez terrible et oui elles subissent mais comme on dit c'est en fait pour nous au regard d'aujourd'hui elles ont un impact fort ces femmes mais quand t'es dans l'œil du cyclone tu te dis pas oh putain je suis un putain de rôle modèle genre non pas du tout quoi c'est tout ce qu'elles ont fait moi je sais que Radium Girls elles ont essayé de servir leurs propres intérêts d'abord qui ont servi les intérêts des femmes futures Oui, c'est plus comme ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait exactement ce que tu viens de dire, si justement. Dans les trois BD, c'est des femmes qui ont été victimes de discrimination d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à leur genre. Et pourtant, on n'a jamais l'impression que vous les réduisez au statut de victime. C'est volontaire ? Est-ce que vous y êtes pris d'une certaine manière de sorte à ce qu'elles ne ressortent pas en tant que victimes ? Virginie, par exemple. Ça ne peut pas être une victime. Ouais. On va revenir là-dessus. Déjà, à la base, parce que c'est une dirigeante. Du fait qu'elle ait de l'argent, c'est forcément une personne d'une caste dirigeante. C'est-à-dire que quand elle demande quelque chose, quand elle ordonne quelque chose, on obéit. Donc là, de toute façon, elle ne peut pas être victime. Mais en plus, c'était pas dans son caractère. C'est-à-dire, je pense que c'est une personne qui s'est jamais vue comme victime. Si, victime, parce que oui, quand elle est dans les Caraïbes, en fait, à Nassau, on la prend en grippe et on lui demande d'arrêter ces frasques, d'arrêter de monter notamment les populations noires de l'île en fait, vers une certaine indépendance. On lui dit arrête tout de suite, tu commences à nous casser les pieds, tu vas nous avoir des ennuis. Et donc là bien évidemment, elle va être victime. Mais c'est victime parce qu'on va repousser finalement vers son île en lui disant occupe-toi de tes affaires et arrête de foutre le bordel. Quoi. Mais sinon, c'est jamais une personne qui s'est vue comme ça. Mais parce que je pense qu'elle avait
ça va être intéressant aussi, c'est quelqu'un qui avait un modèle masculin fondamental en tête. Mmh. C'est une identification clairement à un homme. Ce qui avait été dit par Violette Maury, c'est un personnage féminin très intéressant, mais pas forcément très recommandable, qui disait si un homme peut le faire, je peux le faire. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est jamais, je pense que c'est une femme qui s'est jamais posé de questions. Ah, c'est voilà. Pas que c'était pas, il y a pas l'ombre, pas la place. C'est de la même façon qu'elle prenait hors bord, direct. Ouais. La première personne qui se met sur le chemin, elle gicle. Moi, c'était vraiment ça, c'est un bulldozer. C'est un peu ça, c'est je te roule dessus, quoi. C'était vraiment ça. Donc voilà, pas se percevoir comme victime, je pense. Ouais. Virginie, Carole, pareil, Nelly, est-ce que bah, vous la réduisez pas du tout à son statut de victime, au contraire? Non, c'est pas non plus une victime du tout, quoi. Non, elle est dans l'action aussi, quoi. D'une autre manière, en fait, mais... Moi, excuse-moi, je freine un petit peu des cas de fer, en fait. Pourquoi une femme devrait forcément être victime? Bah, en fait, moi, ça dépend plus, ça dépend, parce que moi, je sais, par exemple, pour Radium Girl, on pourrait leur appliquer le fait qu'elles ont été victimes de la machine à broyer de la société. Mmh. Mais victime, c'est pas une identité, c'est un état de fait. C'est, elles ont été victimes de cette société qu'ils abroyaient et du radium. Mm. Mais par contre, ce n'est pas... victime, c'est juste un état de fait. Mais en fait, c'est Molly, Grace, qui ont monté... ce n'est pas que ça, en fait. Ouais. C'est juste qu'en plus, victime, il y a un peu ce côté... on imagine la fameuse victime parfaite qui est épouvantable. Ce truc où il faut que tu sois très éthéré, tu n'as pas le droit de sourire, tu n'as pas le droit de bonheur quand tu es une victime de quelque chose. Elles ont été victimes de la société de leur époque. Et je pense que pour Nelly Bly... je réfléchissais en même temps, je suis désolée. Elle est futée. Désolée de réfléchir, pardon. Oui, bref. On va perdre l'idée. Non, c'est ça. Merci. Et donc, en fait, elle est futée, trop futée pour être une victime dans le sens de se jouer. D'interpréter ce rôle-là. Un truc tout bête, par exemple, quand elle veut absolument devenir journaliste et gagner de l'argent à New York, elle veut quitter Pittsburgh, elle va faire tout le tour de tous les journalistes, tous les journaux, etc. Évidemment, personne ne va vouloir la prendre, l'engager. Donc, elle revient en disant « Hey, je vais vous interviewer ». Et elle va interviewer tous les rédacteurs en chef de tous les plus grands journaux de New York en disant « Est-ce que les femmes ont la possibilité d'être journalistes un jour, croyez-vous ? » Voilà. Et il lui répond un truc dur, il lui dit en fait ils ont peur qu'elles prennent leur taf. Alors non seulement ça, mais en plus ils peuvent plus péter, éroter et fumer le cigare. Ah, quelle tristesse. Et oui, c'est quand même assez voilà. Mais en tout cas, disons qu'elle va quand même vendre cet article-là, ce qu'elle va l'écrire, elle va le vendre à Pittsburgh, et puis à deux petits canards new-yorkais, et c'est à travers ça qu'elle va attirer l'attention. C'est-à-dire qu'elle aurait pu rester en disant « Mon Dieu, ils ne veulent pas de moi, mais c'est horrible, etc. » En fait, pas du tout. Elle rentre par la fenêtre. Alors peut-être qu'il y a ce côté, effectivement, si un homme peut le faire, je peux le faire. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie motivation sociale et puis certainement émancipateur. Quoi. Je pense qu'elle, à son niveau, elle s'est sûrement pas ressentie victime. Mmh. Même si nous, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire « Ah, elle était victime de discrimination en tant que femme, tout ça. » Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais elle savait que ça serait beaucoup plus dur. Ouais, je pense que son travail se nourrit d'un sentiment d'injustice assez flagrant, voilà. Ouais. Plus que d'un sentiment de se sentir victime. Je pense qu'à l'époque, de toute façon, le statut de la femme ne fait pas qu'elles ne sont pas victimes. C'est ça. Aujourd'hui, effectivement. Il y a la nécessité. Le statut de la femme à l'époque n'est quand même pas formidable. Non. Voilà, aussi pas ouf. C'est plutôt effectivement de dire genre, mais tu ne vas pas y arriver parce que tu quittes en fait l'état normal de ta féminité en fait. Si un être, à l'époque justement on remet pas ça du tout en question. Aujourd'hui est-ce que c'est quoi un état normal de féminité? Incapable de le dire. Mais à l'époque ça paraît évident. Et en même temps, ce qui va justement propulser Nelly dans le journal qui s'appelle Pittsburgh Dispatch, c'est qu'elle va répondre à une lettre qui est écrite par un monsieur qui a 5 filles, dont la plus vieille a 28 ans et qui n'est toujours pas mariée. Oh, et il est désespéré, il est en train de se dire, mais en fait, je vais moi, en tant que père, devoir nourrir cette marmaille toute ma vie. Voulais, quoi. Et donc Nelly Bly, qui a à ce moment-là 17-18 ans, elle répond
à la lettre ouverte qui était publiée en disant bah, si déjà vous éduquiez vos enfants, vos filles, comme des garçons, si on permettait aux filles de pouvoir travailler comme les garçons, vous auriez pu vous poser ce genre de questions. Donc, on voit bien qu'en fait, elle est un peu à cheval. C'est-à-dire qu'elle a le statut de la femme, bien intégrée à l'intérieur d'elle, et en même temps, cette colère, certainement, liée à l'injustice et à ces choses-là, quoi. Quand on écrit comme ça sur des personnages aussi prenants et aussi complexes, j'imagine qu'on doit être vachement prise dedans. Tu parlais de colère tout à l'heure, dans quelle mesure vos expériences personnelles, en tant que femme notamment, mais pas que, ont influencé votre travail pour donner vie à ces personnages, toi aussi, du coup ? En fait, moi, en fait, au-delà de dire « Ah, c'est mes propres, c'est, comment dire, c'est parce que je suis victime de... » Non, pas du tout. Par contre, moi, mon expérience, c'est que j'ai créé un groupe de meufs et que, en fait, toutes les meufs, pour les rendre les plus vraies possibles, je les ai calées sur mes potes à moi. Ah, cool. Ouais. C'est des caractères. Bah parce qu'en fait, le problème, c'est que l'histoire, les faits restent quand ils ne sont pas effacés par l'histoire avec un grand H, mais l'émotion disparaît. Ça veut dire que moi, je ne sais pas si Grace, elle était drôle, je ne sais pas si elles avaient de l'humour, s'il y en a une qui était prude ou pas, etc. Peut-être dans certains agissements, voilà, des choses comme ça. Mais donc, moi, le seul moyen que j'ai eu de créer un groupe de meufs qui tiennent la route, eh ben, c'est de prendre mon groupe de meufs à moi et de caler des personnalités, ce qui me permettait de dire « Ah non, 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 Molly, dans cette situation-là, elle aurait jamais dit ça, elle n'aurait pas réagi comme ça, et tout. » Ça permet de faire des personnages qui ne sont pas stéréotypés parce que nos potes ne sont pas stéréotypés, en fait. C'est sûr. Alors, non, je ne connais pas. Peut-être qu'elles ont des stéréotypes, mais du moins qu'elles se tiennent. Tu vois, les principes du stéréotype. Non, mais qui sont pas manichéens. Tu vois, genre la gentille, la méchante, la timide. Tu vois, par exemple, il y a rien qui tue plus dans un récit que un personnage, c'est la timide. Genre, elle a que ça. Elle est timide. Ouais, et encore, la timide, tu t'en sors bien. Hein, si c'est la timide, si c'est pas genre le stéréotype, la casse-couille ou la chaudasse. Enfin, tu sais, c'est vraiment, c'est terrible parce que ça n'existe pas. Genre, l'humain est des strates, c'est pas juste un bout de papier où c'est ta personnalité. Ouais. Donc, moi, c'est ça qui a fait que je me suis dans les. Alors, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que je le calque sur mes potes, mais il faut faire attention à pas calquer toute la mentalité sur mes potes aussi parce que. Mes potes d'aujourd'hui, c'est pas la mentalité d'hier. Donc effectivement, après c'est une discussion qu'on peut avoir, je sais pas si t'en parles, mais genre sur faire attention à réinterpréter l'histoire avec la vision qu'on a. On va en parler exactement. Mais pour... bien vu quoi. L'anticipation. Sur Twitch. Elle sait comment ça marche. Non mais c'est des choses intéressantes, c'est juste que t'as bien fait ton taf. Bien sûr. Virginie, toi pour Joe la pirate, est-ce que t'as mis une part de toi dans ton personnage? C'est une identification totale. C'est la meuf que j'aurais aimé être. En fait, c'est assez rigolo. Mais j'avais un gros avantage aussi, c'est que les personnes qui gravitent autour de Jo et Jo elle-même, on a énormément de photos, comme je le disais, puisque donc ça couvre la bonne moitié du XXe siècle. On a des enregistrements. C'est-à-dire qu'il y a un film en fait de Jo, on la voit, on entend sa voix, on la voit parler. Donc ça donne tout de suite, ça peut commencer à donner une idée de ce que c'est de personne. Et en plus avec sa voix, son maintien et tout ça, ça peut donner l'idée qu'on ne s'est pas totalement planté. Et puis effectivement après aussi il y a les gens qu'on fréquente, les gens qu'on voit autour. Bon, bah, je pense que des lesbiennes, garçonnes, il y en a quand même depuis à peu près une centaine d'années. J'en connais quelques-unes, j'en suis une moi-même. Donc, il y a des choses, on se dit, bon, logiquement, moi, j'aime beaucoup travailler avec les stéréotypes parce que je trouve que les stéréotypes permettent de poser très rapidement un personnage et c'est après qu'on peut le dévier. Mais ça permet généralement que tout le monde se soit raccord sur un personnage en disant, ah oui, il est comme ça. Oui, puis tu peux jouer avec. On peut jouer avec ensuite, mais on gagne vachement de temps, en fait, avec ça. Donc, voilà, il y a des éléments probants, directs, qui font que oui, bien évidemment, je me suis investie là-dedans, et même dans plein d'autres personnages. Naturellement, je ne retrouve pas le nom de ses potes. Alors, Marlène Dietrich, en plus, bon, bien évidemment, on voit,
que ce soit dans les films, des interviews, ou même ce qui a été raconté, enfin, ce qu'elle a raconté, ce qui a été raconté. Oui, parce que Jo Carter a fréquenté des grandes actrices. un milieu lesbien assez intéressant qui se baladait entre les États-Unis, Londres et Paris et les Caraïbes. Et en fait, membre de la Jet Set. Et il y avait un petit groupe lesbien assez rigolo. Et pas forcément, évidemment, lesbien, plutôt bisexuel. Mais voilà, c'est-à-dire que même ces personnes-là, on a des traces. Ça m'ennuie, je retrouve pas. Il y a Marlène, il y a Talula, il y a Ruth aussi. C'est pas moi qui l'ai fait le bouquin, je sois bien clair. J'en sais rien. Talula Banquette, j'ai même pas besoin de regarder. Talula Banquette, par exemple, c'est extraordinaire. Il y a des émissions, puisque en fait, quand ça n'a plus marché au cinéma, elle s'est rabattue sur la télévision et sur la radio. Donc elle a animé des émissions de radio. Fou. Et il y a des émissions, enfin, il y en a une géniale avec Marlene Dietrich. Marlene Dietrich vient, mais c'est le championnat de beach, c'est vraiment un truc incroyable, c'est extraordinaire. Ça. Ah ouais, c'est vraiment fun quoi. Cool. Ça commence en vacherie, tout en vacherie. Et donc ça donne quand même, alors bien évidemment ce sont des personnes qui sont dans la représentation aussi, mais ça donne quand même une petite idée de comment sont les gens. Toutes les deux, vous avez aussi peut-être une part de vous dans Nelly Bly d'une manière ou d'une autre. On a toutes quelque chose de Nelly Bly. En nous. Je crois que tu parlais je sais plus. Je sais plus parce que vous êtes toutes les deux à la fin du dernier. Une de vous deux parlait du fait de croquer dans le rayon de miel quand elle était enfant. Disons que j'ai lu tous les articles que j'ai pu trouver sur Internet sur Nelly Bly. Et je me suis appuyée non pas sur la manière dont elle les écrivait, mais sur les choix qu'elle faisait. Pourquoi elle va aller débusquer le roi du pétrole? Pourquoi est-ce qu'elle va signaler telle chose? Et je me suis dit, OK, donc il y a un rapport social qui est très important pour elle. C'est certainement lié à son enfance. Et donc, je me suis dit, c'est une nana qui a une volonté sociale. Elle est courageuse, parce qu'elle part quand même au Mexique à 20 ans avec sa maman, qu'elle est... elle s'exfiltre pour échapper à la police. Enfin, il y a 2-3 bricoles. Je me dis, bon, OK, c'est une nana qui a du courage, qui va tenter les choses et qui a une vraie ambition aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis installée avec ce personnage-là. Il fallait lui donner un peu aussi d'enfance et puis de vie de femme. Donc voilà, après, là, effectivement, j'ai pioché des choses dans mon enfance à moi. Et oui, le miel, le rayon de miel, voilà. Donc, bien sûr, il y avait tout ça. Mais je pense, très honnêtement, et je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une architecture archétypale sur laquelle, après, on rajoute tout ce qu'on veut pour pouvoir créer du volume, des creux, des fragilités, des choses comme ça. Et finalement, en fait, je serais, à part vraiment 2-3 bricoles, sur de l'enfance pure de Nelly Bly, vraiment une toute petite enfance avec son papa, ça, c'est moi. Mais tout le reste, après, c'est nous, c'est-à-dire c'est ce que je projette dans une jeune femme quand j'ai envie qu'elle soit courageuse, qu'elle ait des choix sociaux qui me touchent. Et voilà, après, c'est ma fille, c'est moi, c'est toutes les femmes que j'ai rencontrées un peu par-ci, par-là, quoi. Pour le dessin, je pense que... l'acquisition de Nelly Bly, parce qu'il faut lui donner corps. Ça, c'est une intention d'esprit. Moi, c'est ce que j'écris, je donne 2-3 détails. Après, c'est déjà la matière première que Virginie m'offre, en fait, qui se nourrit de pas mal de sincérité. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, je ne cache pas que moi, pour le coup, j'aurais bien aimé entendre la voix de Nelly Bly la voir bouger. Ça m'a beaucoup manqué. Tu dois lui donner une gestuelle. Oui. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on invente un peu, ou que moi je me suis imaginée aussi en la lisant, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui transparaissent à travers les écrits, c'est ça qui est bien pratique pour le coup quand tu travailles sur un personnage qui a écrit. Et il y a beaucoup de choses qui trahissent aussi la personne en fait. Est-ce que je m'y suis identifiée? Oui et non, au contraire c'est le genre de personnage sur le papier qui peut me laisser un peu à distance, parce que ça m'impressionne en fait. Je dis, ouh là là, il va falloir s'y attaquer, ça va être un peu compliqué. Mais non, justement, quand je l'ai lu, et une fois que tu l'as fait parler aussi, avec les dialogues, tout ça, j'ai trouvé beaucoup de familiarité. Donc non, je suis tombée amoureuse en fait de Nelly Bly. Oui, c'est vrai. Ouais. D'autant plus que moi, j'ai utilisé beaucoup dans les dialogues, des choses qu'elle a vraiment écrites, en les replaçant. Donc c'est
c'était pour essayer d'être au plus proche de sa parole, mm-hmm. puisque évidemment, le rêve, ça aurait été de l'entendre parler. On l'a en photographie, mais d'avoir bougé, t'as trop de la chance. Bande de vénère, moi j'avais que deux photos à tout péter. Ouais, c'est vrai. Non, du tout. Ah, mais en fait, on en parlait, mais en fait, c'est vrai que Jo Carstairs, comme elle est vraiment pétée de thunes, forcément, elle a accès, peut-être vraiment, on la prend en photo. On la, comme elle, les riches marquent l'histoire. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, elle toujours plus de support, forcément. Mais là, c'est une interview, c'est dans le cadre de sa dernière course ou avant-dernière course. Ouais. Alors bon. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi c'est un sport très cinématographique, enfin très, très visuel, où quand il y a un accident, c'est extraordinaire, le bateau part sur une centaine de mètres avec une calbite comme ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment fabuleux, quoi. Donc, ils aimaient bien interviewer les gens avant qu'ils se ramassent. Tu faisais des paris comme ça, ils avaient des paris. Ah, mais c'est systématique, il y en avait. Je pense qu'ils s'en foutaient après, mais ça venait pas encore, ça. Parce que c'est aussi les débuts, finalement, du journalisme, mais audiovisuel, finalement. Oui, bien sûr. Mais c'est assez radiophonique et tout ça. Exactement. Toi, Carole, tu dis que tu es tombée un peu amoureuse de Nelly Bly. Quand on travaille aussi longtemps, intensément, sur le parcours de quelqu'un comme ça, c'est pas compliqué de quitter le personnage une fois que c'est fini ? J'ai décroché les photos de Nelly Bly dans mon bureau il y a 6 mois à peu près. Oh ouais, ouais. D'accord. Parce que t'as jamais répondu. C'est ça, j'ai envoyé des courriers, j'ai des stalkers et tout. Elle m'a foutu un raton. Elle m'a ghosté, c'est bouche-là. T'as mis une femme merveilleuse à la place. Oui, il y a Gisèle Halimi. Voilà. Ça commence à être un peu peu. Limite, tu vois, il y a des personnalités comme ça qui me regardent bosser. Mais, sacré porté. Hein. Oui, c'est ça. Un peu comme une chambre d'ado, tu vois, tu mets les posters. Ouais. Mais je comprends que ça serait trop mon genre, moi, si demain je devais écrire quelque chose sur quelqu'un comme ça, je pense que je me sentirais tellement happée, je ne pourrais pas la quitter du tout. J'en ai déjà parlé pendant une des anciennes émissions, mais sur Twitch, du coup, on fait du jeu vidéo et en fait, on fait du roleplay sur des jeux vidéo où tu peux créer ton propre personnage, lui donner une personnalité, le faire parler parce que tu es vraiment dans un jeu, donc c'est toi qui le bouge, etc. J'ai créé un personnage qui s'appelle Lorenza et en fait, j'ai joué avec elle pendant 2 semaines et au moment de... Tu as peut-être vu RPZ. Bien sûr, j'ai vu. Voilà. Et au moment de la quitter, c'était horrible. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Je me reconnectais parfois, genre pour juste la voix. Oui, mais c'est encore pire, c'est parce que... Tu lui as donné tout, c'est-à-dire tu lui as donné toute l'essence. On va dedans, mais on va pas aussi loin que ça. Tu vois. Parce que c'était ta voix. Tu trouves. Oui, c'est ma voix, oui. Oui, mais c'est juste que, tu vois, il y avait un investissement émotionnel très fort. Certes, il y a un investissement émotionnel très fort pour nous aussi, mais... J'ai eu du mal à m'en remettre, quoi. Et puis c'est 2 semaines, tandis que nous, c'est 2 ans. Donc, quand c'est fini, t'es content. Oui, il y en a ça aussi. Il y a ça aussi. On est triste et on boit du champagne. On est triste, mais on boit un coup de champagne. C'est bien. Et puis, on est triste. On boit un coup de champagne. Puis, il y a quoi après ? Oui, il y a un peu aussi un truc, c'est que certes, après, il y a la vie du livre. Et puis, en fait, il y a un espèce de second temps où le livre fait sa vie et vit à travers les lecteurs et les lectrices qui vont commencer à nous en parler. Moi, je sais qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui me parlent des filles de Radium Girl comme si c'était genre « Ouais, et puis elle, je l'aimais bien parce que machin et tout. » Donc, bon, voilà, c'est marrant, tu vois. Puis même quand on les redessine en dédicace, voilà. Après, moi, je ne vais pas faire non plus énormément de sentiments là-dessus. Je trouve que ça est... Enfin, je suis pas très sentimentale sur ce truc-là. Ça veut dire que j'ai tendance à être un peu un rouleau compresseur de travail, tu vois. Sommes des professionnels. En fait, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu genre... quand t'as sorti tes planches et que c'est sorti et que le bouquin, il est là, certes, ça fait un peu mal au cœur de les quitter, mais on est quand même très soulagés. Puis un sentiment d'accomplissement. Oui. Oui, c'est surtout ça, en se disant, on a payé notre tribut. Ça y est. Non, mais c'est vrai. Est-ce que du coup, vous pensez que la bande dessinée, parce qu'en fait, on a tout à l'heure dit que ces femmes-là, elles n'étaient pas forcément conscientes d'être pas vraiment des symboles d'émancipation, etc. Mais est-ce que vous pensez que la BD peut contribuer à lutter contre les stéréotypes, les discriminations de genre ? Je pense par exemple à une bande dessinée aussi d'Hubert Podom. Je pense aussi à Beauté, qui n'est pas éditée chez Glénat, mais aussi qui parle des stéréotypes comme ça. Vous pensez que la bande dessinée, elle peut lutter comme ça contre les stéréotypes ? À part Hubert, je vois personne.
Non, non, je veux. C'est vrai que les deux, ça peut être Hubert, c'est qui a été mentionné. Bah oui, c'est vrai, j'ai passé les deux exemples qui sont venus en tête, t'as raison. Parce que c'est la finesse de l'écriture de Hubert. Ça a été aussi son, effectivement, son, le centre de son travail aussi. Ouais. Mais oui, bien évidemment, mais tout est bon pour sortir de. Ouais. Tout, vraiment tout. C'est juste que la bande dessinée, il y a un truc de. Enfin, il y a un côté moins élitiste. Ça fait moins peur d'aller à la BD, je pense. Il y a un peu ce truc, c'est un peu une porte d'entrée à d'autres choses aussi, par exemple. Ouais. Et je sais pas, après. Et puis aussi, on y affrète. C'est terrible pour nous, parce que nous, on passe un an, deux ans dessus. Mais en fait, c'est un livre que tu peux lire en 40 minutes. Voilà. C'est ce que me dit ma maman tout le temps. Mmh. Ce qui est épouvantable, parce que nous, on est en mode genre, retourne la page, regarde toutes les cases et pas que les bulles et tout. Mais c'est quelque chose qui a. Il y a aussi un facteur temps aussi dans la bande dessinée qui est moindre avec. Bon, s'il vous plaît, relisez plusieurs fois vos bandes dessinées pour nous au moins. J'ai lu deux fois Radium. Merci. Merci. Mais oui, je pense que après, ça fait partie d'un des canaux qui permettent d'aider, mais comme la littérature, mais certes, mais comme les vidéos YouTube, mais comme les live Twitch, les jeux vidéo. Comme parce que là, quand même, il faut faire la démarche de rentrer dans une librairie et d'acheter un livre. Oui. Et les livres, ben, je ne sais pas combien de gens achètent des livres. Mais je pense très honnêtement qu'il y a des systèmes peut-être plus efficaces. Mais voilà, là, c'est. N'oubliez pas les bibliothèques. Oui, c'est. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, les gens choisissent les livres sur les sujets qui les intéressent et offrent des livres sur des sujets qui les intéressent eux. Et du coup, ils les filent aux copains. Après, évidemment, je pense que pour en revenir à l'essence même, c'est-à-dire arriver à détruire la construction, du patriarcat, de la société dans laquelle on vit. Elle détruit le patriarcat. Eh bien, il faudra cumuler les livres, bien sûr, et beaucoup d'autres choses. L'avantage, c'est que la bande dessinée aussi reste encore un média qu'on tourne vers la jeunesse. Oui. Donc, surtout qu'on balance énormément de choses, parce que c'est chez eux que ça va se produire, encore une fois. C'est ça. Même si j'y crois de moins en moins, puisque les gamins sont peut-être moins lecteurs de bande dessinée aujourd'hui, mais c'est toujours l'idée qui reste. Allons-y, détruisons-le, détruisons-le, patriarcat. Oui, globalement, c'est un bon mood. Oui, mais il y a quand même ce côté un peu didactique, tu vois, où peut-être que tu peux ouvrir une bande dessinée, ne pas... Par exemple, moi, pour Joe la pirate, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et bah, tant mieux. Et du coup, je pense que je ne suis pas un cas isolé, ça peut être le cas de tellement de gens. Vraiment, Podum, ça a été... Enfin, c'est trop fort, en fait. Ce Podum, c'est vraiment trop fort, parce que c'est ce que je dis souvent en live, mais c'est une espèce de porte d'entrée à la bande dessinée. Et je pense qu'il y en a tellement qui se sont retrouvés avec Podum dans les mains, qui étaient à 1 milliard de kilomètres de pensée à tous les sujets hyper importants qui sont abordés dans cette bande dessinée, et qui, du coup, bon, l'ont peut-être intégré d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Oui, l'expérience artistique, ça crée de l'empathie. Ouais. On est entre le témoignage et puis la fiction pour les bouquins de Radium Girl, Nelly Bly, Otetadjo. On est à cheval, c'est-à-dire qu'on va porter la voix de gens qui ont vraiment existé à travers une population d'un autre temps et pouvoir ramener donc, cette énergie-là ailleurs. Et pourquoi pas Et si on est honnête, je pense quand même avec toute bien l'intention, enfin en sachant très bien qu'est-ce qu'on fait en fait. Mais oui, mais voilà, voilà. Très conscient. Mais c'est trop bien. Je voulais m'en assurer. Oui, bien sûr. Brûlé, purgé par le feu. Virginie, pour Joe la pirate, t'as pas mis de côté les facettes plus sombres de sa vie. Par exemple, quand elle achète l'île de Welkei dans les Bahamas et qu'elle est très paternaliste et colonialiste, qu'elle fait des arrêtés complètement contre la fornication et contre l'alcool, alors qu'elle-même... Fornique et bois. À tout va. Comment tu l'as abordé, cette facette très sombre de sa personnalité ? On s'est mis d'accord très vite avec Hubert là-dessus. C'est que déjà, nous, ça nous fait beaucoup rigoler. En fait, ça rappelle que c'est pas juste une héroïne, c'est un humain. Ouais. Et donc, en fait, avec les très mauvais côtés que les humains peuvent avoir. Et donc, c'est pas parce qu'il était hors de question qu'on idéalise cette femme. On voulait raconter aussi sa crudité, ses mauvais côtés, ses colères, ses machins, ses débordements. Ça aurait été trop de mettre ça sous le tapis. Mais évidemment, ça n'aurait pas eu de sens. Et du coup, ça crée, je crois, au contraire, ça donne du corps
justement, quand on parle de stéréotypes, d'amener une spécialité d'Hubert, de ramener l'autre facette, toujours sur un personnage, de montrer le côté, puis le côté vraiment noir. Bon, elle n'a pas vraiment le côté très noir, sans aucun jeu de mots. Mais bon, on pouvait pas le taire, ça. C'est mais non, ouais. Et puis même, ça devient faire attention, là, ouais, faire de parler que de la face lumineuse d'un... Enfin, oui, ça veut dire quoi quand on, si ça veut dire qu'on nommait, certaines choses très importantes. Faire. Ouais. J'aurais pu le faire. Ouais, mais tu te mets le personnage et puis du coup tu te mets à distance du coup surtout quand tu c'est pas sincère quoi le truc. À partir du moment où tu t'affranchis de toute sincérité, hop tu. Moi je suis assez d'accord effectivement. Si jamais on parlait de réalité ou de réalisme, autant toujours mettre le moment où la personne va déconner quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. J'aime bien ça. Ouais. dans Nelly Bly, vous dressez à la fois le portrait d'une femme combattante, mais aussi il y a des femmes violentes dans cet asile, du coup, dans lequel elle fait son travail de journaliste d'investigation. Certaines infirmières maltraitent leurs patientes. C'était difficile comme ça de dépeindre cette espèce de dualisme entre ces deux femmes, enfin ces deux types de... Enfin, je ne sais pas, deux types de femmes, en fait. Fait, c'est parce qu'il y a les internés et les soignantes. Donc, il y a ces deux volumes, on va dire. Un rapport de force aussi qui s'installe. Oui, à partir du moment, en fait, où il y a une partie des patients... Enfin, les patients doivent obéir aux soignantes. C'est forcé que ça soit C'est un problème. C'est un peu construit comme une micro-société, en fait. Il y a une hiérarchie avec tout les médecins. En haut qui donne les ordres. Ouais. Et puis... Moi, je me pose la question à partir du moment où on est constamment confronté à la violence, est-ce qu'il y a un moment où on ne la répercute pas aussi sur les autres? C'était... C'est d'où l'intérêt, en fait, de mettre à la fin, enfin, c'est notre projet, de mettre à la fin du livre le procès qui s'est tenu suite aux articles de Nelly Bly dans la presse. Il y a eu un procès, la ville de New York s'est retournée contre la fondation qui encadrait cet asile psychiatrique. Et dans mes recherches... D'ailleurs, ils ont essayé de tout couvrir sous le tapis au début, quand elle les a emmenés tout d'abord. Ils avaient changé les matelas, ils avaient changé les draps. Mais quoi, tout va bien ici. Ils ont été prévenus, c'est ballot. Ils ont été prévenus et surtout, ils ont l'argent pour pouvoir le faire. Ouais. En fait, c'est ça qui était le plus... ironique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un endroit où on fait de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, il faut économiser sur ce qui coûte, et ce qui coûte sont les patientes. Mmh. Voilà. Donc, tout est économisé, toutes les économies sont faites sur le dos des patientes. Et quand les jurys débarquent et que tout est propre et tout rangé, ça veut dire qu'il y a tout l'argent et que finalement, en fait, tout fonctionnerait normalement si c'est l'argent était placé au niveau des patientes. Mais ce qu'il y avait aussi, à mon avis, pour moi, d'intéressant, c'est que ça y est. Les grandes espérances, Oliver Twist, comment s'appelle l'auteur de... Twain. Comment ? C'est pas Mark Twain ? Non. Et anglais. Pourquoi ? Bref, cet auteur anglais absolument incroyable que j'adore et dont je viens de perdre le nom. C'est pas grave, peut-être que le chat... Ouais, les gars, faites ça. Devinez. Surtout que de Noël, Oui, c'est ça, qu'on de Noël. Bref. Charles Dickens. Oui, merci. Merci, Charles Dickens. Merci. Le cerveau collectif, mais nous sommes plus intelligents. Ça, c'est clair. Dickens, point d'interrogation. Dickens, point d'exclamation. Merci. Et super. Merci, c'est trop bien. Donc, Charles Dickens fait une visite de l'hôpital de Blackwell en 1840, quelque chose comme ça. Nous, ça se passe 20 ans plus tard. Oui, donc bien 40 ans plus tard. Ouais. D'accord ? Et ce que dit Dickens, c'est exactement ce que va dénoncer Nelly Bly. Mmh. Et donc, dans cette partie, parce que j'ai retrouvé quelques articles sur le tribunal, enfin le procès, mais je n'ai pas retrouvé évidemment les minutes. Mmh. Et puis je crois que j'aurais été bien embarrassée de lire toutes les minutes du procès. Ouais. Ça m'aurait bien fait suer sur la fin. Donc voilà, il y a un moment, il faut savoir se débarrasser de ces personnages. Hein. Donc voilà, donc j'ai c'était pour moi, tout à l'heure. J'en prends une ellipse au tribunal, il y a une ellipse. Ah oui, c'est ça. C'est la fin du tribunal, oui, c'est vrai. Exactement. Mais parce qu'on sent, en fait,
fait, oui. Ça n'a, ce qui est important, c'est bien. La finalité. Ouais, c'est le résultat. Mais je voulais quand même placer mon Charles Dickens qui a été. Et donc là, du coup, j'avais ce qu'il fallait pour faire le parallèle entre les mots de Nelly et puis de Charles Dickens. Voilà. Donc c'était pour ça, en fait. Cette hiérarchie, elle existe et elle est dénoncée à la fin. Et vous savez quoi ? La ville de New York donne de l'argent. Et donc, évidemment, c'est nous qui... Enfin, c'est eux qui payent. Et puis ça va mieux. Évidemment, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Oui, voilà, et qu'on redonne de l'argent. Ça, juste avec de l'argent, des infirmières maltraitantes, finalement, ne le sont plus. Bah oui. C'est simple, en fait. C'est mon cas. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Non, mais c'est vrai, je me suis posé tellement de questions, en fait. Je les ai lues et à chaque fois, je notais les questions en même temps. Je me suis tellement posé de questions pour ces trois BD en particulier. Enfin, vraiment, je suis contente d'avoir vos réponses. Et on va un peu plus parler de votre processus créatif maintenant. Chaotique à ma droite. Chaotique à ma droite. Je vous rappelle qu'avec le hashtag roman graphique dans le chat de ma chaîne Twitch, mais aussi la chaîne de Gléna, vous pouvez gagner toutes les BD dont on parle aujourd'hui. Toutes celles qui... Non, pardon. Non. Toutes celles... Non, c'est pas vrai. Nelly Bly, Joe la Pirate et Radium Girls plus ce magnifique tote bag incroyable. Podium, waouh! Donc, ouais, voilà, et après on les dédicace, c'est trop bien. En plus, vous les recevez hyper rapidement et vous les partagez à chaque fois, donc trop cool. En plus, moi je suis une grosse gratteuse, j'ai ramené toutes mes BD aussi. Si vous voulez me les dédicacer, ça me ferait trop plaisir. J'ai pas les stylos, pas de soucis, je t'en passerai. Hein. Moi je vais. Ah ça y est, moi, moi, ça va me prendre quoi? 2 minutes si je suis une très très longue. Ouais, bien sûr. Merci. Donc, bref, bonne lecture. Le tirage au sort. Amitié. Bisous. Le tirage au sort aura lieu à la fin du live. Et sachez d'ailleurs que si je ne l'ai pas dit non plus au début de l'émission, je manque à tous mes devoirs. Mais si vous avez envie de revoir ou voir les émissions précédentes, tout est disponible sur la chaîne YouTube Replay de Gléna ainsi que ma chaîne YouTube Replay. Voilà. Donc, ces trois romans graphiques qui sont basés sur des faits réels, on dit depuis tout à l'heure, des époques assez similaires, Nelly Bly tout d'abord, Joe la Pirate et Radium Girls quasiment en même temps. Comment, si on en parlait tout à l'heure, vous avez procédé pour vous documenter, les retranscrire, en faire un portrait fidèle? C'est une galère. C'est long. C'est long, voilà. Je suis pas, moi, personnellement, je ne suis pas historienne. Je n'ai pas du tout appris à avoir cette... En fait, il y a des process qu'on peut mettre en place pour moins perdre de temps moins se dissiper. J'avais deux gros problèmes. Donc déjà, d'une, c'est que je n'étais pas historienne et que je suis épouvantablement mauvaise en anglais. C'est un véritable problème. Parce que la doc est en anglais. Ouais. Donc, j'ai investi dans un Kindle avec de la trad et je me suis bouffée de la trad et je me suis améliorée en anglais parce qu'il fallait remonter en fait tout... là-dessus. Donc, bah, en fait, y a, en fait, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouffé de la doc. Et après, une fois que tu as toute ta doc, enfin, tu essayes de mettre un frein à la doc. C'est ça qui est dur. C'est, tu penses avoir tout et puis tu découvres un nouveau truc, tu essayes de le rentrer dedans, tu dis bon, stop, sinon tu te perds sinon dans la documentation et tu ne fais jamais le livre à l'arrivée. Et après, une fois que tu as ça, il faut réussir à tirer un scénar et savoir ce que tu vas devoir enlever de ça. Garder juste ce qui va réussir à garder et à sortir certaines choses pour pas perdre le scénario. Et moi, en fonction, moi perso pour Radium Girl, il y a des choses que j'ai pas pu mettre dans la BD parce que mon point de vue, c'est ce que savent les filles. Ça veut dire que, par exemple, dedans... Il y a des trucs qu'elles ne savent pas. Des trucs qu'elles ne savent pas. Tu ne pouvais pas en parler. Eh ben non, parce que le lecteur, il est avec les filles. Donc, je ne vais pas pouvoir faire venir un narrateur omniscient en disant « Ah, au fait, ils ont... » Parce que, par exemple, dedans, il y avait un rapport de deux médecins qui avaient été commandés par le boss de l'entreprise où elle bossait pour dire « Non, non, mais la peinture au radium, c'est très bien, il n'y a pas de problème. » Sauf que ces deux médecins ont fait un rapport en disant « Ah non, mais c'est super mauvais, en fait. Il faut qu'elles arrêtent de peindre parce qu'elles avaient une technique bien particulière. » Mais à un moment donné, il y a un médecin qui lui dit « Arrêtez de porter le pinceau parce que c'est vos lèvres. » Alors, ce médecin-là, ce n'est pas un médecin, c'est le créateur de la peinture en lui-même, mais qui s'est fait dégager quand il a dit ça à une des ouvrières. Mais en fait, les deux médecins ailleurs qui ont été mandatés, vous savez, c'est comme les grands groupes qui vont mandater à un cabinet pour dire, bon, bah voilà, on m'a dit que c'était très mauvais ça, le téflon, que c'était mauvais, prouvez-moi, sortez-moi un papier comme quoi c'est pas mauvais, et que les médecins font,
si c'est mauvais, et ben en fait là le rapport il est arrivé entre les mains du patron de l'entreprise et il est parti à la poubelle. Sauf que ça c'est fou en termes de narration, mais je ne pouvais pas le mettre dans la BD parce que elle ne le savait pas et elles ne l'ont jamais su. Donc c'est ça qui est fou, très frustrant. C'est trop rageant. C'est frustrant et en même temps il y a un point de vue à prendre. Et si tu le trahis, tu bloques. En fait l'important dans la BD c'est la narration, tu vois. Et genre, si tu fais rates un coche, tu peux sortir la personne de la BD. Et moi, ça a été le parti pris que... Mais j'ai pu raconter plein d'autres choses. Ça veut dire que le fait d'avoir pris ce biais-là du groupe de copines, c'est qu'il était hors de question, justement, ce qu'on parlait de que le lecteur ne les conçoit qu'en tant que victime sans visage et masse, avec juste le terme victime. Je voulais qu'on s'y attache à ces femmes avant. Et que quand elles commencent à mourir, on fasse. Pourquoi elles meurent, en fait Pourquoi elles meurent et tout. C'est ça, en fait. Donc, oui, ça servait la narration, ce choix que tu as fait. De toute façon, je pense qu'on est obligés tous de faire des partis pris. Parce que c'est tellement dense. Pour toi, j'imagine que ça a dû être hyper dense aussi de réussir. Je ne sais pas si tu as voulu enlever. Ah ben non, j'ai scénariste, moi. Oui, c'est vrai qu'il y avait Hubert. Oui, mais si, mais pour le dessin, tu as dû te documenter d'une certaine bien manière. Sûr. Oui, bien sûr. En documentation graphique, comment tu as fait? En documentation graphique, pas plus que ça, en documentation icono. Ouais, en icono, ouais, c'est ça. J'ai aussi un scénariste. Ah oui, t'as fourni. Ah la vache, c'est ce scénariste-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est génial. À la fin de Nelly Bly, il y a cette fameuse interview de vous deux, justement, que j'ai lue. Et en fait, tu disais, toi, Carole, que tu avais quand même pris une initiative par rapport à la forme en dôme, comme ça, de l'asile. Alors non, ça, il était vraiment conçu comme ça, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah pardon, j'ai cru avoir lu... La toiture, ouais. Ah oui, ok. Ouais, parce qu'en faisant des recherches après, je me suis rendu compte qu'effectivement, le dôme, il avait été reconstruit après, plus tard. Sauf que ça m'embêtait, moi, de l'enlever. Je trouvais ça très esthétique. Ouais, c'est très chouette. Non, mais voilà, enfin, de temps en temps, on s'accorde des petites tricheries. Après, sur la ville de New York, quand même, j'ai voulu respecter, parce que c'est... La ville de New York, en 1883-85, c'est infernal, quoi. La skyline, elle évolue, mais tout le temps, quoi. Tu te souviens, le site internet sur lequel tu cliques et tu as toutes les périodes... super, c'est une espèce de Google Street View de New York. Tu remonter dans le temps, bah, tu choisis la date, tu choisis la rue, et pouf, tu as des photos qui apparaissent. Ça, pour la doc, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai pu faire Radium Girl, parce qu'on est en 2020 et qu'on a accès à tout ça. Ah oui. Sinon comment? Sinon en fait le seul moyen d'avoir des archives, c'est d'aller prendre un billet, aller au New Jersey et tout. Aller dans les archives. Jusqu'à preuve du contraire, la bande dessinée ne permet pas forcément de prendre un billet pour aller au New Jersey pour aller faire ses recherches. Et y rester. Le temps qu'il faut d'aller interviewer et tout retrouver. Enfin les outils numériques. Moi, je sais que j'ai découvert un site qui s'appelle iGrave et tu peux retrouver la tombe de n'importe qui dans le monde. Ah ouais? C'est génial. J'ai pu savoir où est-ce qu'elles étaient enterrées, si elles étaient parties de New Jersey ou pas. Bah si, je les ai retrouvées. Ça, c'est ouf, ok. Ah ouais, non, je trouve ça dingue. Mais moi, là, ce que vous êtes en train de me dire, je vais passer des heures dessus. Faut retrouver le nom. Oui, parce que tu dis, cet immeuble, est-ce qu'il était là? C'est ça. Mais c'était nos questions tout le temps. Que des choses comme ça. Tu disais aussi à quoi ça ressemble, une poignée de porte. Des années 20. Des années 20, je sais pas. J'ai fait des recherches. Alors, moi, je trouve Il y a quelque chose de très important. C'est qu'on parlait de la même façon. Enfin, je fonctionne avec ma documentation et les décors, comme avec les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une idée plus ou moins de plein de choses. Qu'on a tous été élevés quand même depuis à peu près une cinquantaine d'années, si c'est pas plus, avec des images. Donc New York, on a Gangs of New York, et puis on a New York, New York. Et puis on a tout ce qui est Batman et Nenko, bon, c'est Gotham, mais bon, c'est pareil. Et en fait, on a tous une idée à peu près de comment c'est. Donc le but pour moi, c'est d'être crédible, pas d'être juste. Ouais, la cohérence, ouais. C'est d'arriver à faire croire que oui, pourquoi pas. Ouais. Et souvent, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin,
dans le cas de Joe, j'avais des moteurs à faire. Est-ce que quelqu'un connaît vraiment des moteurs de hors-bord? Bon, j'ai trouvé des fiches. C'est certain. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va venir. Non, vous êtes trompé parce que vraiment, il y avait quatre tuyaux. Voilà. Mais ça va être une personne. Alors, moi, je ne fais pas de napoléonien, par exemple. Ça, c'est un truc, à mon avis, ils sont bien plus nombreux à dire en gros. Peut-être planté sur les croignards, il y a deux rangées de boutons comme ça. Mais sinon, pour la plupart des gens, ce n'est pas très important, en fait. Et c'est surtout ce qu'on raconte. Et le fond qui fait. Donc moi, si je vais chercher une ambiance. Moi, je vais chercher l'ambiance dans les recherches, justement. Ouais. Tu sais, au moment où tu commences à être submergé, tu dis quoi? Ça fait 5 heures que je suis sur Internet en train de passer d'un lien à un autre, à un autre, à un autre. J'adore ça. J'adore ça. Tu te retrouves à regarder des petits chats. C'est vraiment le truc. Non, mais des petits chats de 1880. Si tu tombes sur des petits chats, c'est forcément cette période-là. Avec les transistors, j'adore ça. Moi, je déteste ça et je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a des ampoules dans les transistors? Mais oui, il y a des ampoules dans les transistors. Mais oui, il y en avait. Mais lesquelles? Elles étaient rondes ou est-ce qu'elles étaient longues? Parce qu'en 1950, ça change tout. Tu tombes toujours sur un nerd qui a fait un site qui date des années 2000, donc il est dégueulasse, il y a des espèces de gifs qui pop partout, mais il y a le transistor de 1921 et il est là. C'est ça. C'est ouf, et cette personne, merci. Et ben voilà. C'est ça. Moi, j'ai fait là, je viens de faire plein de sites de bagnoles. Mais oui. Bah ouais. Entre 1920 et 1939. Et c'est génial. Et il y a des fous partout. Mais heureusement qu'ils sont là. Ça, c'est sûr. Mais je tiens à dire que moi, là-dessus, j'avoue, il y a des moments, j'étais en mode genre, putain, un living room des années 20. En plus, moi, middle class. Parce qu'en fait, il y a aussi les strates de classe qui rentrent en ligne de compte. Rien à voir. C'est que ça n'a rien à voir. Tu vas avoir des images de living room. Oui, oui, de personnes bourgeoises qui ont pu prendre une photo à ce moment-là. Donc voilà. Et il y a des moments, j'étais genre, oh, j'en ai ras le cul, tu sais quoi, je tourne la caméra, je cherche un papier peint à Nevin, papier peint derrière, hop, nickel, c'est bon, elle fait son blabla, et le papier peint est à Nevin, et ça marche. C'est pour important. Les objets du quotidien, comme ça, lambda, moi j'ai une astuce, c'est que je vais voir toujours les objets qui ont été commercialisés, genre 10 ans avant, inventés, 20, même 20 ans avant, parce que tu as toujours un laps de temps entre le moment où c'est commercialisé. Bien sûr, c'est trop une bonne idée. Tour de disque, moi je me suis posé la question aussi sur... Oui, il faut pas que ça soit... Trois tours, il peut pas être dans les... Allez, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, ce qui est terrible aussi, voilà, c'est qu'il faut imaginer, par exemple, que quand on a, par exemple, les Radium Girls, il fallait... C'est pour ça que j'ai pas eu trop d'autres personnages, mais elles étaient habillées à la mode. Mmh. Mais leur mère et leur grand-mère, elles sont... C'est genre du siècle précédent. De la mode d'avant. Et voilà, tu vois, quand tu vois nos parents et nos propres grands-parents. Mais donc, ça, c'est vrai que ça évolue sur plusieurs temporalités. Un travail monstrueux, je pense qu'on se pose des questions qu'on se serait peut-être non, jamais posées. Non, on trouve des réponses aux questions qu'on ne s'est jamais posées. Oui, c'est tellement ça. Mais c'est merveilleux. Qu'il ait l'ambiance colorée. C'est merveilleux. Mais oui, mais c'est aussi, ça. Ouais. L'ambiance colorée quand on a des photos noires et blanches. Grave. Et oui, oui. Est-ce que je suis allée voir des peintures et des gravures de mode colorées, du coup, pour... me faire une idée des couleurs, des vêtements des femmes de cette époque-là. Oui, il y a des sites qui font de la recolorisation de vieilles photos. Et de films. Et de films, j'ai vu des trucs comme Jamais, c'est fascinant. Si jamais c'est de l'ordre de ce qui s'est fait, par exemple, pour tous les films de 39-45, d'accord. C'est un peu trop béjasse et tout ça. C'est tout dans les béjasses, les uniformes ont tous les mêmes couleurs. Enfin, c'est un truc après, ça peut être un parti pris graphique aussi. Après, il y a effectivement ton album de reprendre les codes. Moi, c'est pas pour rien si j'ai fait une gamme colorimétrique aussi serrée. Ça limite énormément de choses. Voilà, après, moi, ça m'a permis de m'aider, en fait, d'avoir de jouer sur cette gamme colorimétrique très serrée. Justement. C'est à nous d'être créatifs, finalement. Après, effectivement, de donner un angle. Toujours pareil, on parlait d'angle dans la narration. Mais les angles, ils se reproduisent à plein de niveaux, en fait. On va aborder le travail de la couleur dans un instant. Et je me demandais... Hop, lui, en noir et blanc, salut. Tu vas rester parce que j'ai une question pour toi. Pour Radium Girls, le récit, il est entrecoupé par des pleines pages, des espèces de ponctuations, en fait, avec un dessin à chaque fois. Pourquoi ce choix? Dans quel but? En fait, on peut les voir aussi, je pense, à l'écran. C'est marrant parce que, en fait, il y avait un film, je ne me souviens plus du tout de l'histoire, mais il y avait un truc qui m'avait complètement marqué, ça s'appelait L'ordre et la morale, je crois que c'est de Kassovitz. Et en fait, il y avait un espèce de gong qui tombait, tu sais, ça faisait bon. Et au début, c'est complètement random dans le film. Et en fait, le gong, il s'accélère au fur et à mesure. Et tu comprends
ce que veut dire ce gong à la fin du film. Mais au début, tu ne sais pas d'où il vient. Et en fait, pour moi, c'est la première pleine page comme ça. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Et en fait, tu comprends que tu tournes la page, elle est morte. Donc, quand tu vois, ça crée un précédent, tu vois la suivante, tu dis « Putain, mais elles sont toutes en train de mourir !» En fait, c'est juste une manière, c'est un trope scénaristique pour te dire « Ah ben non, en fait, mais ça amène leur mort, tu vois ?» ça amène. Et puis aussi, ça me permettait de montrer comment... Enfin, j'ai quand même un trait qui est... c'est sans aucun jugement de moi-même, mais j'ai un trait simple. Ça veut dire que je voulais pas déjà rentrer dans les... Je voulais pas rentrer dans les dans le côté très trash, parce que quand tu commences à taper Radium Girls sur Google Images, ça devient terrible, on parle de dents qui tombent, on parle de tumeurs grosses comme des ballons de basket, enfin c'est... Tu peux très vite partir dans le sensationnel et le trash, et je voulais pas ça du tout, ça m'intéressait pas, c'était pas mon biais, mais il fallait quand même que je trouve un moyen de montrer qu'elles étaient brisées par le radium. Et c'était aussi une technique à travers ces images d'annoncer en fait leur mort et aussi le fait qu'elles étaient brisées par le radium. Et du coup, c'est hyper pesant parce que quand tu tournes les pages et tu vois qu'il y a une pleine page comme ça, et tu dis ça y est encore. Et en fait, ça fait comme un... En fait, c'est terrible parce qu'elles peignaient des cadrans de montre. Et à partir du moment où elles ont peint leur premier cadran de montre, le compte à rebours est lancé. C'est quand même ironique au possible. Parce que dès que tu ingères une dose de radium, c'est fini. Ah ouais ? Ah ouais, non, mais c'est mort. Ça veut dire que ça dépend, en fonction de la dose que tu vas juste mourir plus ou moins vite. Mais à partir du moment où tu as ingéré ton première dose de radium, tu vas mourir de ça. C'est évident. Et en plus, elles peignaient 250 cadrans par jour. Donc... Imaginez, elle lissait le pinceau entre les lèvres, donc elles ingéraient du radium. Et à chaque fois, elle remettait dans la peinture. Et parfois, elle devait lisser plusieurs fois le pinceau pour avoir vraiment la pointe la plus fine possible et peindre le... Ouais. Donc moi, c'était ça, en fait. C'était mon gimmick graphique de pouvoir montrer les choses. Et c'est marrant, il y a des gens qui apposent beaucoup de choses différentes. Genre, ils y apposent, je ne sais pas... Certains disent « Ah, j'y vois des icônes saintes ». D'autres disent « Ah, j'y vois un côté pénitencier ». Il y en a d'autres... Et ils me disent « Vous en pensez quoi ?» Je suis en mode genre bah, « Qu'est-ce qui est important ? Ce que moi, j'en pense ou ce que toi, tu vois dessus ?» Ouais, c'est ça. Votre capacité d'analyse du truc et votre ressenti que vous projetez dessus. C'est plus important, Dans Joe la pirate, Joe, elle est accompagnée d'une poupée. Lord Todd Waldley, c'est quoi son rôle ? Dans quelle mesure ce personnage il a servi un petit peu à l'histoire ? Alors, à l'histoire, je ne sais pas, c'est vraiment un gimmick, en fait, puisque cette poupée existait. Elle a d'ailleurs été enterrée avec. Ça a été vraiment son pote toute sa vie. C'est son meilleur ami. Mais c'est fou. Une poupée de 30 cm en cuir. Une de ses compagnes lui avait offert quand elles étaient jeunes. Et en vacances au ski. Et... Ah bah oui, c'est... Alors c'est le petit, hein, parce que le grand, c'est Joe. Enfin, c'est la grande. et voilà, donc une affection, sorte, ça me fait penser, moi, je me souviens plus du nom du personnage dans South Park. Le mec a toujours sa marionnette. Enfin voilà, c'est toujours eu besoin de garder cette poupée avec elle, qu'elle a vraiment humanisée, qu'elle faisait habiller, d'ailleurs, dans les meilleurs tailleurs. Elle parle tout le temps avec lui, il y a qu'elle qui la comprend. Et c'était vraiment son meilleur ami. Voilà, c'est une poupée qu'elle avait comme meilleure amie. Donc elle était un peu barrée, on peut dire. Bah, bon, ouais, mais après tout, bon, c'est un de ses multiples vices. Hein, la poupée ne contredisait pas. Hein. Non. Je pense que si. Mais voilà, vu que c'était Joe qui faisait tout, donc forcément. Oui, voilà. Et il y avait une thématique assez intéressante qui avait été utilisée donc, par la biographe de Joe, qui en fait mettait aussi donc, une projection dans Lord Waldley de son sorte de syndrome de Peter Pan, d'une part, et d'autre part aussi une sorte de maternité. Moi, je ne me suis pas prononcée sur le sujet, je ne me prononcerai pas du tout là-dessus. Voilà, cette poupée, alors là, on n'a pas pu le faire en fait avec l'album, mais en fait, en plus, elle s'est dégradée au bout d'un moment, elle avait une tronche abominable. Elle pose en photo avec. Oui, régulièrement. Régulièrement. Elle a même fait des séances de photos uniquement pour elle. Avec la poupée. Voilà. Alors, chose marrante, c'était pas aussi
fous non plus que pour elle, puisque Marlène Dietrich avait aussi les siennes. Ah ouais ? Ah oui ? Donc, Ah, c'est fou. Ah, ok. Je pense que c'est un jouet qui a dû être à la mode à une époque, et que plein de nanas ont récupéré. Moi, ça me fait penser aux abominations, je ne sais pas si... Enfin, abominations, on ne peut pas dire ça. Vous savez, toutes les poupées habillées en tenue folklorique. Ah oui, ah, oula, ouais. Moi, des, ça me fait un peu... C'est marrant parce que tout le monde fait oula, on est bien d'accord, il y a des collectionneurs, des choses. Donc, ça fait longtemps que j'en vois plus. Il y a trop de poussière, Mais je pense qu'il y a une petite tradition. Chaque région avait la sienne, en fait. Dans les boîtes en plastique transparent. Ah non, pas forcément. Oui, effectivement. En tube, comme ça, j'en ai vu. Vous connaissez pas, vous? Bah, si, j'avais si. Une copine. Si, bien sûr. Ouais, j'avais une copine, moi, qui en collectionnait encore. Elle les avait vraiment autour de moi. Curieusement, maintenant, je pense que j'aurais plaisir à en retrouver. Mais non, à une époque, vraiment, c'était pas possible. Parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais je pense que c'est, voilà, c'est la même chose. Il y a un effet de mode, peut-être aussi, effectivement. Une fois sur l'île de Blackwell, une fois que Nelly Bly arrive sur l'île de Blackwell, on a pu voir une espèce de monstre avec des tentacules apparaître. Comment ça, c'est toi, Carole, qui as eu cette idée? Comment ça t'est venu? Ah, on a été plusieurs à avoir l'idée. Ouais. Dans ta tête? Au moins 15. Non, je crois qu'on s'en était parlé ensemble avec Aurélien Ducoudré, avec l'éditeur. On dit oui, ça serait bien de donner corps en fait au traumatisme, aux névroses, à la folie, de la rendre un peu plus palpable, histoire d'éviter d'autres écueils, comme représenter des personnages qui partent un peu dans tous les sens, et qui vont avoir des posings et une manière d'exprimer la folie un peu, qui aurait été peut-être un peu trop caricaturale. Et pas, et puis une bande dessinée avec que des femmes la bouche ouverte en train de se tirer sur les cheveux, parce qu'en fait c'est inanimé, donc comme ça. C'était vraiment juste pas possible. Puis ça permettait, pareil, d'amener progressivement aussi quelque chose qui se dévoile qui au fur et à mesure. Ça commence dans la tasse de thé. Et on voit cette planche-là qui est folle, la pleine page dans la baignoire, là, justement. Il y a un petit côté un peu Lovecraftien, forcément. Bah, oui, forcément. C'était une référence aussi. Oui, on est sur une île au milieu de l'Hudson. Lovecraft, c'était évident, bien sûr. Mais en huis clos, il y a une perte de repères d'espace, de temps, quasiment envoyé dans une autre dimension, quoi. Oui, complètement. La souffrance est bien réelle. Et du coup, voilà ce monstre qui s'installe et puis qui montre un petit peu, qui personnifie la folie, et même des femmes qui, de base, étaient totalement saines d'esprit, qui étaient envoyées là, dans cet asile. Voit, par exemple, un fils qui a sa mère qui commence à avoir un certain âge, et en fait, elle est totalement saine d'esprit. Elle ne peut plus travailler, elle ne parle pas un mot d'anglais, elle est allemande. Et en fait, elle lui coûte beaucoup trop cher à ce fils, et en fait, il s'en débarrasse, et il la met là-bas, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Puisqu'elle ne comprend pas l'anglais. Oui, parce que quand le médecin la reçoit, elle essaye de discuter, mais en fait, elle ne sait pas parler anglais, donc dans tous les cas, elle est obligée de subir, quoi. Oui. C'est assez fou. Enfin, moi, j'avoue, j'ai été un peu touchée par le récit, forcément. Et d'ailleurs, on voit aussi, Carole, que tu as utilisé aussi une différence de couleur entre l'asile, les flashbacks, etc. J'ai trouvé ça chouette pour les flashbacks que, au contraire, normalement, souvent les flashbacks, on voit un peu des couleurs sépia ou du noir et blanc et tout. Et là, au contraire, c'était des couleurs hyper vives pour l'enfance de Nelly, notamment. L'idée c'était de contraster justement avec la trame narrative au présent, et de ramener vers des souvenirs pas forcément lumineux, mais moi mes souvenirs sont pas en noir et blanc à titre personnel, donc parfois même on peut sépia, d'ailleurs. Avoir une perception du souvenir faussé même, il fait souvent beau, parce que des éléments vont nous marquer plus que d'autres ou quoi, donc je me disais que c'était pas mal d'éviter l'écueil peut-être noir et blanc ou sépia, dans la mesure où en plus au présent on est quand même dans un environnement assez sombre, assez glauque. Donc de rehausser, d'amener un peu de luminosité aussi. Parce qu'à l'asile, tout est vert, bleu, sombre, etc. Et puis après, quand tu vois cette planche où il y a beaucoup plus de lumière et tout, c'est presque ouf. Ça permet de sortir vraiment de l'asile, en fait, visuellement. Oui. J'ai beaucoup aimé. En plus, t'enlèves les contours des cases aussi, parfois, quand tu parles de Nelly, quand elle est enfant. C'est histoire d'enfoncer le clou, ça veut dire, ça y est, on n'est pas au même moment. Exactement.
Du coup, on va retourner sur ce travail de la couleur. J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur la manière dont vous avez travaillé. Joe la pirate, c'est entièrement en noir et blanc. Eh bien non, madame. Voilà, exactement. À l'exception de quelques planches en couleur. Oui. Pourquoi ? Trois planches. Trois planches. On s'était mis d'accord très vite pour travailler en noir et blanc. L'éditeur a dit OK, donc on était contents. Parce que on a pas compris pourquoi. Coloriste aussi. Donc oui, Hubert était coloriste et je pense qu'il avait pas envie de le faire. Ouais. Non, je rigole. c'est... Non, on s'est vraiment mis d'accord très très vite parce que, vu l'époque, les années 20, le cinéma est en noir et blanc. Moi, j'avais envie de travailler aussi en noir et blanc, donc c'est comme ça qu'on s'est décidé très rapidement, avec un noir et blanc assez marqué, donc avec une ligne claire et des aplats noirs. Puis on trouvait que ça marchait, donc on s'est dit on continue comme ça. Sauf que il y avait une séquence en fait assez tardive dans l'album. Où Joe raconte ses aventures en tant que pilote d'avion. Finalement, elle s'était, vu qu'elle s'est passionnée pour tout ce qui était moteur et véhicule à moteur, elle n'avait pas encore essayé les avions. Elle s'est dit, il faut que j'essaye. Donc, elle a appris. Oui, elle était passionnée de vitesse. De vitesse et tout. Donc, voilà, elle s'est dit, elle n'a pas pu le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle le fait après. Et moi, c'est assez bête. En fait, c'est venu ça très rapidement. C'est-à-dire que quand je pense avion, je pense Porco Rosso. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense Miyazaki, Porco Rosso et Miyazaki. Donc, c'est de la couleur. Ouais. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement. Il va falloir que je mette de la couleur. Alors, façon Miyazaki, non, on ne peut pas faire façon Miyazaki. C'est impossible. Moi, je ne sais pas faire. Mais voilà, c'était mon petit clin d'œil. Alors, le gag, c'est qu'Hubert a voulu retirer la séquence. Je lui ai dit, non, mais ça va pas. Ah non, mais touche pas. Ah ouais, touche pas. Ouais, il m'a dit, genre, non, mais elle apporte rien et tout. Alors, il se trouve que dans l'histoire, moi, je trouve que si. Puisque. Je peux en parler après sans. Oui, en vrai, oui, tu peux en parler. C'est qu'en fait, Joe, donc, on est bien d'accord, c'est la vie rêvée de Marion Carstairs. Mm-hmm. On s'est basé sur énormément de faits qu'on a, de preuves, de témoignages, d'articles, de photos et tout ça. Mais on a quand même fait des liens, notamment sur les dialogues dans son entourage où on n'a pas les traces. Et puis, il y a quand même. Elle raconte énormément de choses. Et moi, il y a carrément un moment où je me suis dit, cette femme est peut-être un peu mythomane. Mm. Ah ouais, oui. Ouais. Mais il lui arrive quand même vachement de trucs. Bah, il lui arrive quand même beaucoup trop de trucs. Ouais. Donc voilà, et je trouve intéressant aussi que finalement, elle a été capable de jouer entre peut-être une mythomanie et une réalité, qui du coup rajoute encore à son personnage fantasque et extraordinaire. Et donc notamment cette histoire d'aviation qui nous amène au bord du fantastique. Mmh. Et donc vu qu'on était au bord du fantastique et peut-être de la mythomanie, pourquoi pas y aller en couleur puisque nous parlions de souvenirs, on peut aussi parler de rêves colorés. Absolument. Et d'ailleurs, c'est la couleur que tu l'as fait à l'iPad. Oui, tout l'album est fait à l'iPad. Ouais. Et là, j'avais envie d'avoir un effet un peu crayon de couleur. Oui. Et vu que je n'avais pas envie de me viander sur des planches, je vais faire en numérique. Mais en même temps, tu dis, ouais, ça frôle la mythomanie, je comprends. Mais en même temps, elle a vécu si longtemps. Oui. Qu'il a pu lui arriver tellement de trucs. Parfois, tu parles à des gens, ils te racontent des trucs et tu te dis, mais c'est. Ouais, t'es juste trop gros. Ouais. Mais lui arrive, on n'a pas tout mis, hein. Parce qu'il lui arrivait énormément de choses. Puis c'est une femme qui avait énormément de mémoire aussi. Ce qui est un truc de mythomane, généralement. On saura avec pas. Beaucoup de détails. Je ne saurais pas. On saura pas. Ouais, dans Radium Girls, justement, tu utilises un camaïeu de. Violet et ce vert radium qui transperce vraiment la BD pour le coup. Comment tu as choisi ta palette? Comment tu as travaillé? En fait, c'est marrant parce que y a les parties graphiques qui sont importantes. Et c'est vrai que la technique au crayon couleur, c'est quelque chose que j'avais un peu bossé quand j'étais dans mes études. J'avais utilisé du crayon couleur et j'avais trouvé ça agréable. Puis j'avais mis de côté pour faire autre chose. Et puis quand j'ai commencé à faire des recherches pour Radium Girls, c'est marrant, justement, parce que j'étais abreuvée de couleurs, de sépia, enfin voilà, et j'étais en mode genre, vas-y, j'ai envie de retranscrire le grain des photos, mais vraiment ce truc qui vibre un peu le grain des photos de ces années-là, et un peu cette espèce de désaturé un peu, tu vois, que tu as un peu sur toutes les photos. Et j'avais envie de travailler au crayon couleur, donc ça a un peu matché les deux. Ce qui permet d'avoir une gamme colorimétrique très serrée permet aussi d'éviter les fautes de goût. Exactement, les fautes de goût, ça permet de pouvoir développer très vite pour avoir, par exemple, il y a toute une séquence très bleue où justement on apprend la mort de quelqu'un. Et pourtant, en fait, ce bleu, il est toujours là, hein, sur les cases d'avant, etc. Donc ça permet, en fait, même si tu as une gamme colorimétrique très serrée, tu peux réussir à faire des
des ambiances très différentes. Puis bah, le verre radium, parce que le verre radium, ouais, quoi. Et en fait, le verre radium est quasiment présent dans l'intégralité des cases, depuis le début, en fait. Et c'est complémentaire avec le violet. Ouais, ouais, voilà. C'était quelque chose ouais, que j'ai travaillé comme ça après. Mais surtout, le crayon couleur, là, moi, je le travaille par strat. Sur les cases les plus foncées comme ça, il y a jusqu'à 5 strates de crayon couleur là-dessus. Tu l'as fait en live aussi, Radium Girls. Ouais. Ça t'a aidé? Ça m'a sauvé. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'en fait, quand t'es face à ta planche et que tu peux pas bouger, parce que quand tu bosses en tradi, c'est super chiant, tu peux très peu bouger. En fait, quand je fais tous mes crayonnés au numérique, ah bah, je vais à droite à gauche, je vais chez des potes, je vais travailler, machin. Putain, alors c'est encore pire là, parce que je bosse à l'encre. Donc autant te dire que je suis vissée à ma table et que je ne peux pas partir, parce que je bosse sur des grands formats, oui, etc. Donc c'est horrible, je ne suis que face à moi-même, tu vois. Et donc Twitch, ça a été un peu ma fenêtre sur le... C'est terrible dit comme ça. Ma fenêtre un peu sur le monde. Ça veut dire qu'il y a un truc terrible quand on fait de la bande dessinée, c'est qu'on est face à notre planche. Certes, on a soit notre scénariste ou notre éditeur, etc. Et il n'y a pas d'autre retour. Mais tu restes la tête dedans. Et tu restes la tête dedans. Et en fait, après, ton bouquin, il part dans le monde, tu vois. Et là, tu commences à avoir des retours d'extérieur. Mais c'est trop tard, c'est fini. Hein. De toute façon, ça ne veut pas forcément dire... Clairement, c'est une histoire d'ego. Il faut arrêter de se mettre dedans. Moi, j'ai envie qu'on me dise que ma planche, elle est belle. Et donc, je stream et on me dit, ouais, c'est beau. Et je fais, oh, et t'es contente, ok. Tu vois. Et il y a une histoire d'ego. Je suis désolée, j'ai besoin de ça aussi. Vous êtes d'accord, toutes les deux? Elle se fend de la gueule. Pas du tout. Oh non. Non, t'exagères. Non, mais c'est vrai que j'y avais vraiment... Puis Twitch, c'était cool parce qu'on ne parle pas forcément que quand je live comme ça et que je monte mes planches, clairement, on ne peut pas rester devant un live d'art juste comme ça parce que clairement, au niveau entertainment, c'est bof. Mais non, moi, j'adore. On papote, tu vois, on discute de plein d'autres choses. Je ne parle pas que de mes techniques ou des trucs comme ça. En vrai, on s'en fiche. Une fois que j'ai dit la marque de mes crayons et la marque de mon papier, c'est bon, quoi. En plus, tu as fait des commandes, j'imagine, avec les trucs qui reviennent. J'en ai ras-cul de raconter la même chose. Je les appelle les petits CE, parce qu'ils à peine me poser les mêmes questions. Hey, c'est quoi ton papier, machin. Ça me fait trop marrer, donc je les appelle les. Mais tu sais, c'est sur Twitch, c'était vraiment les questions. Moi, j'ai un nombre incalculable de commandes pour les questions qui reviennent tout le temps. Qui reviennent tout le temps, mais qui sont dès que tu sors un crayon. Et vraiment, ça peut être un bic. Les gens te disent. C'est quoi ton bic? C'est quoi ton crayon? Tu vois, c'est un bon genre. C'est un bic. C'est un bic. Mais bon. C'est vrai que là-dessus, vraiment, le live Twitch, ça m'a un peu sauvé du côté très tunnel, en fait, qu'on peut avoir dans la bande dessinée. Je suis super impressionnée parce que il y a besoin d'être concentré quand même quand on bosse. Ben, en fait, moi, vu qu'il y a tous mes croquis et que je bosse sur table lumineuse, après, je fais l'ancrage, tu vois, genre. Et en fait, moi, la colorisation, ça va. Il y a des moments, je suis en mode, genre, attendez, il faut que je me concentre. Tu parles pas? Je parle pas, je fais oui. Non, mais après, si, attention, elle parle pas. Mais tu sais, je fais même des streams focus. Pendant 20 minutes, j'utilise la méthode Pomodoro. Tu sais, c'est 25 minutes, tu travailles, 5 minutes. Par mois, comme ça. 4 fois. Méthode Pomodoro. Mais en fait, 25 minutes de travail en mute, c'est-à-dire que je ne parle pas et les gens se calent sur mon rythme à moi. Et après, on parle pendant 10 minutes. D'accord. Et en fait, je live et il y a juste une musique et les gens sont là et ils travaillent en même temps. Mais vraiment, c'est... Moi, j'adore. C'est une cour de récré, Twitch. Mm-hmm. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux. Tu restes 20 minutes, c'est pas bien. Moi pendant la cour de récré. C'est vraiment pas pour moi. Je suis vraiment trop vieille pour ces conneries. Oh, arrête. Tu restes 20 t'as commencé, minutes, c'est bien, tu restes 30, tu restes une heure, parfois tu restes juste 5 minutes. Mm. Et puis, moi, je préfère presque, en fait, que ça soit comme ça, c'est posé et tout. Et j'apprécie, j'avoue. On demande dans le chat ta chaîne. C'est CY. Non, c'est YesI. Ah ouais, c'est YesI. Yes, oui, voilà, c'est ça. YEAHCY. Ceci, c'est trop petit pour tous les réseaux sociaux. Quelle merde d'avoir choisi ce pseudo trop petit. Même sur les couvertures, c'est trop petit. Oui, ça, je comprends. Et puis, sur Un aller entre monde, j'ai si. Il y a Marc Dubuisson de l'autre côté. Il a pris toutes les lettres de l'alphabet pour le mettre dans son nom. Je pense que les modérateurs peuvent mettre le lien de la chaîne de Si dans le chat. Merci. Comme ça, vous pouvez aller la suivre et pourquoi pas assister à des moments ASMR très intenses où tu enlèves Les scotch. J'enlève les scotch des gouttières et je pense que tout le monde est moite. On adore, c'est trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler une seule seconde aussi de cette couverture? Il y a un clip sur ma chaîne, parce que sur Twitch, on peut faire des petits clips et garder des extraits de live un peu rigolos ou fun ou tristes ou peu importe. Et en fait, il y a un clip qui a fait beaucoup de vues sur ma chaîne où
où je fais ça pour voir, parce qu'en fait, les visages, t'as mis genre truc phosphorescent. C'est phosphore, ouais. Mais elle est dangereuse, faut pas la lécher. Non, la léchez pas. Mais globalement, léchez pas les trucs. Meurt. Enfin, léchez que des trucs qui sont consentants, enfin, je sais pas. Mais. Ouais, par exemple, il y a un clip qui va être fait. Le livre n'est pas consentant, d'accord. Par exemple, là, il y a un clip qui va être fait. What? Ne léchez pas. Aucun truc consentant. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, moi, c'est ce que j'avais demandé justement à Olivier Jalabert, qui était mon éditeur sur Radium Girls. J'avais dit, est-ce que je peux avoir une couverture phosphorescente? Parce que là, on parle pas. En fait, souvent, quand on fait de la fabrication comme ça, sur. En fait, ça peut parfois être un peu gadget. Parfois, on fait. Alors, ça dépend. En fait, soit ça. Genre, le phosphorescent, c'est dur à mettre sans que ça soit gadget, quand même, souvent. Et là, j'ai fait « Je veux du phosphorescent ». Et forcément, Olivier, l'éditeur, il a fait « Tu veux du phosphorescent, tu l'auras ». Vous le voyez, c'est un personnage. Et donc, j'ai fait « Ok, je veux du phosphorescent ». Et donc, voilà. Et ce qui était drôle, c'est quand la BD est sortie, j'ai eu plein de messages de libraires qui me disaient « Oh, ton vernis sélectif ». Donc, le vernis sélectif, c'est ce qui fait que ça brille un peu. « Il a grainé, ça veut dire que tes bouquins, ils vont partir au pilon ». Donc, au pilon, c'est à la destruction. « Oh là là, tout... » Et j'étais en mode genre « Non, mais pas tout. » La lumière, vous allez voir. C'est exactement ça. Ce que je lui dis. Je lui dis, va dans tes chiottes, éteins la lumière avec le livre. Ouais. Et elle m'a dit, ok, t'es sûre. Et donc voilà. Donc c'est pour ça. Mais... très bien. Et bah, moi j'aime bien cette couve. Si le seul bouquin qu'on peut repérer dans une librairie de nuit. De nuit. Absolument. Très utile parce que la librairie est fermée. Pour autant, ça reste quelque chose de notable. J'ai rendez-vous les Radium Girls après. J'avais une question de base sur pour Nelly Bly par rapport à la couleur, mais en fait on l'a abordé tout à l'heure, donc voilà, on parlait tout à l'heure. Tu peux redire ce que tu as dit. Du coup, on ne va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, j'ai un truc dans mon runner, je suis pas sûre que ce soit ça, mais c'est toi, Carole, qui travaille sur une nouvelle BD qui retrace le procès de Bobigny, c'est ça? Oui, c'est ah, ça. Ah oui, ok, très bien. Gisèle Halimi. Voilà, d'où Gisèle Halimi. Ouais. Donc, toi, Carole, tu travailles en ce moment sur cette BD. Ouais. Ça retrace le procès de Bobigny, qui est un procès pour le droit à l'avortement, ouais, 1972. La sortie, elle est prévue pour courant 2024. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, pour le coup, on n'est pas sur un nouveau biopic sur Gisèle Halimi. Nous, on est un peu plus... alors, c'est scénarisé par Marie Bardiot-Vaillant, quand même que je la cite. Et donc, effectivement, ça sortira chez Glénat. 2024, ça me paraît loin, mais en fait, c'est demain. C'est très c'est demain. Vite. Hein, t'as terminé, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là on parle depuis tout à l'heure, là, il y a du travail. Hein. À être en train de bosser. Et donc, oui, nous, on retrace un petit peu l'histoire de ce procès. Attendez. Bah oui, c'est ça. Je viens d'aller m'enfermer dans le noir de mes toilettes avec Radium Girls. Eh bien oui, et oui, on vous l'avait dit. Moi, je l'ai fait, hein, donc c'est pour ça. Quand je l'ai vu, je fais aïe. Donc, Gisèle Halimi. Voilà, Gisèle Halimi. Donc, oui, c'est un récit qui va retracer un petit peu l'histoire de ce procès historique. Donc il y a 5 femmes qui ont été jugées, et notamment Marie-Claire Chevalier ainsi que sa mère, Michel Chevalier, qui ont été accusées pour avoir avorté. En délit d'avortement. Donc elles étaient inculpées. Et alors, beaucoup de colère aussi, encore une fois, qui vient nourrir ce projet-là, parce qu'il se trouve que l'avortement s'est fait à l'issue d'un viol, quand même. La jeune fille avait été violée et elle a été dénoncée par le violeur. Mmh. Voilà, donc on est quand même sur un petit cumul d'injustices à son comble. Et donc, évidemment, ces femmes-là ont été défendues par Gisèle Halimi, donc c'est pour ça qu'elle apparaît. On y voit beaucoup de beau monde. On y croise Delphine Seyrig, notamment Simone de Beauvoir, Simone Veil à la toute fin, parce que c'est un procès qui a aussi amené à la loi Veil 3 ans plus tard. Jacques Monod, enfin voilà, des personnages assez illustres. Mais les deux personnages principaux, c'est vraiment Marie-Claire et sa mère, en fait. Donc voilà, on essaye de recentrer un petit peu sur... la vie intime et de ces personnages-là qui se sont retrouvés un petit peu propulsés dans un environnement ultra médiatisé aussi.
Et ouais. Voilà, ça a amené à, effectivement encore à faire évoluer les mœurs associées. Voilà. Quelques planches du coup qui passent pendant qu'on discute depuis tout à l'heure. La sortie est prévue pour courant 2024, je le rappelle. Donc voilà, merci beaucoup. On retourne travailler. Il faut café là, il faut y aller là. Qu'est-ce qu'on fait là encore? Bon, on arrive à la fin de cette émission, tu vas pouvoir retourner travailler. Allez, oui, enfin, il y a le train. Mais bosse dans le train. Je plaisante, évidemment. Et en vrai, je voulais quand même souligner à toute la... Enfin, là, je vois quelques planches, mais je voulais souligner à toute la beauté de vos dessins. Vraiment, j'adore. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Et je me posais quelques questions avant de terminer. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dont vous aimeriez retracer le parcours en BD, Virginie, par exemple? Moi, il y a une journaliste noire américaine. Voilà. Aïda, elle est Wells. Elle est... Enfin, c'est une femme, petite bourgeoisie noire américaine, État du Sud, au moment en fait où la communauté noire américaine commence à s'embourgeoiser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait il va y avoir tout ça, enfin des attaques de blancs pour détruire cet embourgeoisement. C'est autour de tout ça. Non, elle non. Elle échappe, mais c'est la même période. C'est la même période. Ouais. Donc c'est 14, c'est ça, hein, ouais. 17, je ne sais plus. 1800. Ah, pour moi, c'était... Ouais, non, pas du tout. C'est 19e siècle. OK. Donc c'est, je vous dis, après la guerre de sécession, il y a un embourgeoisement noir américain qui commence à se faire avec des villes où il y a des élus noirs. Et puis, il y a évidemment le backlash incroyable. Et cette femme qui, comme Nellie Bly, voulait être institutrice, elle a été institutrice. Et puis, elle est devenue journaliste. Et puis, elle a monté son journal. Et puis, enfin, voilà quoi. Et là, elle était obligée de quitter le Sud pour aller à Chicago. Enfin, bref, c'est une vie pareille, exemplaire, quoi. Mm-hmm. Voilà, pour d'autres raisons. Carole, toi, donc, tu travailles sur Gisèle Halimi. Est-ce que tu as une autre femme en tête dont tu aimerais retracer le parcours? Tu m'as posé la question. Punaise, il y en avait au moins 3-4. Ouais, c'est vrai. Ben non, mais moi, j'avais pensé... Mais alors, la musique, dans le domaine de la musique, mais c'est très difficile, la musique, à retranscrire en BD, c'est... C'était le sujet de la l'un des sujets de la première émission qu'on a fait ici avec Dupont, Mezzo et Chabouté. Justement, Dupont et Mezzo qui ont travaillé sur Jimi Hendrix. Ouais. C'était une des questions sur comment on fait pour parler de musique en BD, quoi. C'est passionnant, hein. Mais t'en parles un peu dans Nellie Bly, tu vois, il y a quelques passages musicaux, le passage au piano, le passage où une des patientes chante dans le réfectoire et les cases deviennent toutes flower power, très stylé. Mais là, c'est vrai que moi, je m'étais intéressée, il y avait un personnage qui m'avait intriguée, féminin du coup, qui était une pionnière de la musique jazz et batteuse, Viola Smith. Voilà, donc elle a percé dans les années 50, à la batterie, dans les années 50, elle était plutôt connue aux États-Unis et puis bizarrement, après, hop, à la trappe, on n'a plus entendu parler, alors qu'elle est décédée récemment, en fait, il n'y a pas très longtemps, elle s'est fait très vieille, il y a 107 ans, elle est morte. Ah ouais, cool. Et donc comme voilà, quoi, donc musique, jazz... c'est possible, hein. Donc ouais, voilà, dans le cinéma aussi, avec des personnages comme Chantal Ackerman, j'adorerais travailler sur quelqu'un comme ça. Quoi. Virginie, une femme dont tu aimerais retracer le parcours en BD? Non, plus personne. C'est fini. Plus personne. En fait, j'ai l'avantage en fait, là sur un projet sur lequel on a travaillé et on va continuer à travailler, de pouvoir faire en fait des destins de femmes, mais à vitesse rapide et sur un mode drôle. Donc c'est cool, c'est pas une femme et c'est pas moi qui choisis. On en présente et c'est à coup de 8. Voilà. Donc là, si jamais on fait un tome 2 de Toujours Prête, puisque ça s'appelle comme ça, l'édition Flux Glacial, ça permettra d'avoir 16 destins de femmes assez marrants à traiter. Ouais. Par contre, toujours autour de la thématique de la guerre, puisque ce sont des engagements de femmes dans la guerre. Ok. Si toi, t'as... En fait, là, moi, j'étais plutôt un peu genre, oui, bon, il y a plein de femmes et tout, mais en fait, ce qui m'intéresserait... Alors déjà, je n'y retournerai pas de sitôt. Ça calme.
C'est pas ça, c'est les bouquins sont épais. Oui. Et puis même, en fait, en termes d'histoire, d'historique et tout, je pense que si je faisais de l'historique plus récent, tu vois, plus récent, parce que c'est le truc des costumes. Et encore, moi, j'avais des archives, toi, là, avec des costumes d'époque, là, et tes corsets, là, aïe. Mais en fait, c'est marrant, complètement random. Ce qui m'intéresserait, c'est pas forcément une figure. Très recommandable du tout. Je suis tombée sur un personnage qui s'appelle Simone Weber, qui a tué son mari et qui était considérée dans les années 80 comme la diabolique ou la veuve noire. Ça fait partie du true crime. Clairement, en fait, il y a une grosse vibe depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on appelle du true crime, etc. Et en fait, il n'y a rien de bien en fait, là-dedans, dans le sens où elle a disqué son mari avec une meuleuse. J'ai assisté à un live Twitch de quelqu'un qui faisait un react de. Enfin, pas quelqu'un, c'est Dollywood, c'est une streameuse que j'adore, qui faisait un react de Faites entrer l'accusé. Et c'était sur Simone Weber. Et c'était lunaire, en fait, que cette femme de 60 ans. A zigouillé son mari et potentiellement en a zigouillé deux autres avant pour récupérer des héritages, manifestement, mais c'est pas prouvé. Elle est encore en vie et tout. Et donc, en fait, je me dis juste, je le ferai pas. Ouais. Mais ça m'intéresserait de voir comment raconter cette histoire sans verser dans l'idéologie, le polissage ou comme ce qu'on voit avec Scarface qui devient une espèce de en fait c'est un criminel et qu'on nous met en égérie et tout, ne jamais en fait, je ne veux pas non plus en faire un tu sais genre oh, elle était si géniale, elle a meulé son mari, tu vois. Moi je en fait c'est juste patriarcat, on en parlait au début. Non mais réussir à raconter une histoire de cette femme là en laissant la criminelle où elle est. Sans que moi non plus je sois à me dire oh, putain, c'était génial et tout. Sans glamouriser ouais. Exactement le truc. Et c'est très, très dur, je pense, sur ce genre de truc, parce que c'est, honnêtement, c'est lunaire. Enfin, tu vois, puis en plus, elle s'est foutue de la gueule des flics de cette époque, mais c'est. Vu qu'elle savait, en fait, les flics étaient merdiques, enfin, genre. Il la suivait, elle savait qu'elle la suivait, elle faisait quatre fois le tour du pâté de maison, puis elle leur faisait coucou, elle sortait elle tirait la langue aux flics avec sa sœur, elles avaient 60 berges, tu vois, en mode genre, tu sais, tu vas pas m'avoir, et c'est lunaire, tu vois, et je me dis que ce genre de truc pourrait être un vrai challenge qui m'intéresserait à faire. Que je ne ferai pas pour le moment, parce que là, en ce moment, je suis dans des fantaisies. Tout à fait. Et là, je suis dans la fantaisie piraterie en 4 tomes. Laissez-moi tranquille. J'en ai pour un moment. Oui, c'est vrai. Mais toi aussi, tu travailles en ce moment même. Mais intègre l'équivalent de Simone Weber dedans. Non, peut-être pas. Bah, ça va être un peu compliqué. C'est à partir de 10 ans. non, mais c'était vraiment. Un caméo de la Disney. Mais c'est assez, assez fou, ouais. C'est pas. Mais en fait, et surtout me dire aussi, genre, parce que j'ai un léger souci aussi sur le côté badass, que en fait, souvent on a tendance à dire, ah ouais, c'est des femmes badass, mais en fait, on peut aussi parler de femmes sans pour autant qu'elles aient été badass, en fait. Genre, il y a des hommes très médiocres dont on fait des biographies, donc je vois pas en quoi on devrait constamment être badass. Non, surtout Psycho, Weber, c'est vraiment non, un problème. C'est juste qu'en fait, voilà, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois, genre l'élite pour qu'on daigne parler de toi. Et c'est, en fait, ça me pose, c'est génial. On a 2000 ans d'histoire à rattraper, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi ne pas forcément être des rôles modèles pour qu'on parle de soi. Je te suis sur ça. Je me demandais aussi si vous aviez une recommandation BD écrite, dessinée par une femme, chacune. Normalement, vous avez fait vos devoirs. Oui, on a fait nos devoirs. Okay. J'ai fait mes devoirs, je suis infoutue de redonner le nom de mangaka. Bah oui. Moi aussi, je peux te le dire. Non. Moi, c'est juste que c'est la dessinatrice de Full Metal Alchemist, mais à partir de là, la créatrice d'ailleurs de la série. Ça va le dire dans le chat. J'ai plus confiance. Full Metal Alchemist, on vous attend. De toute façon, ça va être marqué. Voilà. Yoromiya Arakawa. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ta reco. Ah bah oui, évidemment. N'hésite pas à donner envie aux gens. Le problème, c'est que tout le monde connaît. Par contre, est-ce que tout le monde sait que c'est une femme qui l'a fait, ça? Non, bah justement. Voilà. Bah c'est, ça s'arrête là. Lisez, c'est un monument. Bah, exactement. Ouais.
Ah, il l'avait, mais un petit peu, ouais, avec du délai. Oui. Quel chef-d'œuvre. Je ne savais pas. Mais ouais, c'est vrai que je pense que personne ne savait. Hein. T'as raison. Ça crie en mode genre, lisez, écoutez Virginie en 4+5. Et Lucie Mergel, mais ouais, bien sûr. Ouais. Mmh. Si. Bah, moi, d'autres beaucoup parler, allez-y. Vas-y, on en reparlera après. Je suis désolée, j'ai trop parlé. Non. Voilà. Non, mais faut tourner la voix. Moi, alors lui, j'en avais deux. Moi, j'avais René.E au bois dormant de Hélène Usdin, je ne sais plus comment ça se prononce, Usdin peut-être. Vraiment, ma rétine était un feu d'artifice visuel, cet album, déjà. Et puis, les thématiques abordées sont hyper riches aussi. On est sur une quête identitaire, mais vraiment au sens général du terme. Et puis... dans un environnement très, très onirique, très fin. Voilà, ça c'est un album qui ne laisse pas indifférent, loin de là, et moi il m'a beaucoup marqué. La couve, trop belle. Ouais, la couve est incroyable, et vraiment l'intérieur est à la hauteur de la couve. Voilà, si ce n'est plus. C'est un voyage visuel assez incroyable. Oui. Et voilà, et j'avais beaucoup aimé aussi d'Alix Guérin, Ne m'oublie pas. Ouais, ouais. Je ne pleure pas souvent dans les albums. Ah non, mais il te roule dessus, celui-là. Ah ouais. Ah, on me l'a recommandé. Aussi, On me l'a recommandé en plus. Extrêmement touchant. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, Virginie, par rapport à la dessinatrice de Full Metal Alchemist, qu'elle a pris un nom, que c'est pas son vrai nom, et qu'elle a pris un nom qui sonne un peu masculin pour justement... Elle a bien fait. Voilà. Ou pas, j'en sais rien. Bah, à l'époque, oui, et maintenant, bon, bah, maintenant tu te dis, c'est un peu, c'est con, mais c'est vrai qu'à l'époque, elle n'avait peut-être pas le choix, en fait. Ouais, je me doute. Virginie, une petite recommandation, une BD écrite, dessinée par C'était une femme. Céleste, de Chloé Cruchaudet, parce qu'on a passé un moment à papoter de Proust, et que après ça, je suis allée acheter son bouquin, et c'était... magnifique, merveilleux, tendre, joli, intelligent, une mise en scène. Comme tout ce que fait Chloé d'ailleurs. Et c'est vraiment d'une très grande délicatesse au niveau de tout, en fait. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a secoué. J'ai rien mis de Chloé parce que tu avais déjà mis. J'ai rien mis. Et moi, c'est Cet été-là de Gillian et Mariko Tamaki qui décrit avec perfection le passage de la préadolescence à l'adolescence. Et c'est sur un été. Et tout est... c'est hyper beau, malin, vraiment, c'est en noir et blanc. Et tu vois ces deux gamines, et il y en a une qui passe, en fait, qui va du côté de l'adolescence. Elle passe de l'enfance à l'adolescence. Et c'est... faut le lire, en fait. Genre, mais globalement, ce que fait Gillian Tamaki, elle a fait un autre bouquin qui s'appelle Les secrets de Dean. J'ai perdu tout le nom du... Mais qui est globalement, les deux, là, elles font un taf de dingue. Mais Cet été-là, je le relis chaque année, je tiens à le dire. Ah ouais, ouais. En été? Non. T'es pas trop dans le thème. Bon. Non, mais il y a des BD. C'est terrible parce que t'as une pile comme ça de livres, mais tu vas retourner lire ce bouquin que t'as lu chaque année. Et parce que ceux-là, c'est ta bibliothèque d'or. Je comprends, j'ai ça avec les films et les séries. J'ai ça avec Moulin Rouge. Que j'ai vu beaucoup trop de fois. Alors que j'ai tellement de films à regarder. Bref. Les doudous. Et pour la dernière question de cette émission, je me demandais, vous êtes toutes très talentueuses, des autrices de BD très talentueuses. Je me demandais quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui souhaite se lancer dans la BD aujourd'hui, si vous en avez un, par exemple. En vrai ou pas en vrai? D'y aller. Tu vas dire fuis. Vas-y. Finalement, comptable, c'est pas si mal. Oh non. Non, je sais pas. Bien y réfléchir déjà, quand même bien y réfléchir. Si on aime le dessin, il y a d'autres métiers dans le dessin qui sont très chouettes en animation. Ouais. Et si vraiment le virus il est là, tant pis, dessinez, c'est foutu, quoi. Dessinez, vous arrêtez pas, pompez, regardez, copiez, inspirez-vous, regardez ce qui se fait sur Insta, sur ailleurs, sur machin, et nourrissez-vous de dessin. Après, ça viendra. C'est ça. Il faut se nourrir en fait. Ouais. Ça, et moi, puis avoir. Savoir cultiver un peu son obsession. Enfin, je crois qu'on est un peu tous un peu obsessionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence un truc, eh ben, c'est pour un an, voire deux.
voire 6 ans pour mon dernier roman. Donc, en fait, il y a un petit rapport quand même d'obsession. Mmh. Il faut aller... voilà. Il faut se nourrir de plein de choses. Il faut l'avoir même. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est un peu indispensable, mais voilà. S'il n'y a pas cette obsession, autant faire un travail, on va dire, je ne vais pas non plus avoir, sans vouloir dénigrer, mais de commande, en fait, quoi. Oui. Un peu plus alimentaire, et effectivement, là, bon, on n'est pas forcément obligé d'être obsédé par le sujet. Mais ouais, il faut qu'il y ait un rapport affectif assez énorme pour arriver à s'investir pendant un an et demi, deux ans sur un c'est projet. Ça. Comme ça, quoi. C'est ça. Et moi, je vais être très terre-à-terre, je vais dire, lisez vos contrats. Ah bah bien sûr, bien sûr. Lisez vos contrats et ne restez pas seul face à vos contrats. Votre travail a un coût. Bien. Voilà. Merci. Bien. Merci. Faites de la grosse moula, s'il vous plaît. Même si ça se fait pas en BD. Oui, mais bon, ça, il faut faire en sorte que. Voilà. Le fin mot de cette émission. On adore l'argent. Voilà. On va pouvoir tirer au sort les gagnants des dédicaces. Voilà, il y aura donc un gagnant sur ma chaîne et un gagnant sur la chaîne de Gléna avec Nelly Bly, Joe la Pirate et Radium Girls qui seront dédicacés, envoyés avec ce magnifique tote bag que j'ai présenté au début de l'émission. Podium, voilà. Donc merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Merci mille fois, mes merci invités beaucoup. Merci de vous être prêtés à l'exercice. Je sais merci. Que c'est pas merci simple, les gens. Deux heures de discussion. Bah, je pense, c'est bien marré. Ouais, c'est vrai. Cool, ouais, super. Ouais. Bah, relativement. Je suis contente. Ouais. Ouais. Bon. Cool. Je suis très contente de vous avoir reçu. Le poil à gratter. Si pour Radium Girls, du coup, si aussi qui est en préparation du tome 2 de Anna et l'Entremonde avec Marc Dubisson, vous pouvez aussi la suivre sur sa chaîne Twitch, puisqu'elle le fait en live, bien sûr, avec Carole Morel, dessinatrice de Nelly Bly, Virginie Olani, qui est la scénariste de Nelly Bly, et Virginie Augustin, qui est dessinatrice de Joe la Pirate. Donc, merci beaucoup. J'étais vraiment très contente de vous avoir à ma table. J'avais très hâte de cette émission en particulier, donc je suis absolument ravie. Merci beaucoup à la régie, Mathieu. Merci beaucoup, pour Mathieu. Merci beaucoup aussi aux équipes de Gléna qui m'aident à travailler sur ces lives vraiment, et aussi merci de me faire confiance pour animer ces émissions. Merci à Clara qui prépare le runner avec moi chaque semaine. Elle est fantastique, donc qu'on se le dise. Et puis merci à vous dans le chat d'être toujours aussi hypé et d'être toujours aussi présent et puis intéressé en fait par rapport à la bande dessinée, parce que sur Twitch on parle de jeux vidéo mais pas que. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Rendez-vous pour la prochaine émission, la semaine prochaine, mercredi, à 14h, exceptionnellement pas 15. Voilà, donc ça sera un live la semaine prochaine, spécial Dissident Club, avec ma copine streameuse Angle Droit, Florence, et Taha Siddiqui, qui est scénariste, journaliste d'investigation pakistanais, qui s'est réfugié en France. Enfin, vous verrez, il y a une histoire folle pour le coup. Et Hubert Maury, qui est dessinateur et co-scénariste de cette bande dessinée, dont on parlera amplement la semaine prochaine. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, tout simplement, à 14h. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Bye. Merci. Ciao. Merci. Ciao. À plus.